Bonjour. Moi, c'est Mélanie. Alors, je suis directrice d'acquisition de talent chez TAP, chez Cascade. Bonjour, Julie Bouliane, je suis coordonnatrice aux dons et commandites chez Cascade. Bonjour. Bonjour, je suis Véronique Thibault, je suis stagiaire en communication chez Cascade. Enchantée. Allô, je m'appelle Jessica Ménard, je suis rédactrice du CA et également finissante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Enchantée. Salut, moi c'est Laurence Aubé-Comeau, j'ai également rédigé le CA et je suis également finissante à la maîtrise en marketing. Enchantée. Donc, on peut y aller? Oui, parfait. Peu d'individus ont su marquer l'histoire par leur bravoure et graver l'imaginaire par leur sang-froid pour au final en inspirer plus d'un. Parmi eux, les funambules, de l'or de la Seine au Grand Canyon, font face à l'impensable dans la plus grande maîtrise de soi. Notre but, c'est de vous amener du point A au point B. Ensemble, nous allons traverser les plus hauts vertiges afin de rallier imagination, mais aussi coordination, afin d'amener vos résultats cascades toujours plus loin. Chez Funambule, on vous apporte avec nous dans nos idées périlleuses, mais aussi consciencieuses, afin de vous offrir une nouvelle perspective sur le marché. Chez Funambule, on a plusieurs valeurs. La diligence. Donc, l'efficacité et la performance sont au cœur de nos priorités. On vous assure de toujours donner notre 110% pour réaliser tous vos projets. Ensuite, l'audace. On est une équipe créative qui veut vraiment pousser les idées au bout. Donc, on va vraiment toujours mettre notre petit grain de sel pour avoir les meilleures idées, mais toujours avec l'innovation. Ensuite, l'agilité. Ici, on veut vraiment toujours avoir un pas de plus dans le marché et on est toujours capable d'aller dans les plus grands vertiges, mais dans les plus grandes prouesses. Et Funambule, c'est qui? C'est notre agence. Donc, Maxime, directeur service conseil, par son exigence, mais aussi sa créativité, il permet vraiment d'amener toujours plus loin et c'est toujours de l'amener un petit peu plus loin sous la ligne directrice. Ensuite, Marisol, une directrice stratégique, par son esprit analytique et son assiduité, elle va vraiment vous mener vers la meilleure voie possible. Je présente ensuite Mireille, qui est notre directrice numérique, qui, par son sens de l'innovation ainsi que son audace, permettra d'harmoniser la campagne entre nos idées stratégiques et créatives. Pour finir, finalement, avec Maude, qui est notre directrice artistique, qui, par son innovation et son brin de fantaisie, saura rendre votre campagne des plus uniques possibles. Ensemble, vous l'aurez deviné, nous sommes Funambule, et le but, c'est de garder le fil entre le contrôle et la créativité. À l'agenda aujourd'hui, on va commencer par une analyse quand même approfondie de la marque, de la concurrence, du marché, pour terminer avec la cible. À la fin, on va prendre un peu de recul pour vous présenter notre opportunité. Donc, prenez le premier pas avec moi vers l'analyse de la marque parce que c'est important de savoir d'où vous venez Cascade afin de mieux vous diriger. Et ça commence avec votre histoire. Depuis 1964, vous êtes ancré dans les communautés et vous en inspirez plus d'un. En effet, vous avez une riche histoire, des valeurs fortes, par les vrais cœurs au ventre, bref, des valeurs qui parlent à la communauté et qui sont importantes. Et vous êtes d'ailleurs une source d'innovation et de transformation continue. Ce qui nous mène aussi à votre offre de produits qui est énormément diversifiée. En effet, vous avez des solutions d'emballage éco-responsables, vous offrez des solutions d'hygiène, de papier, de tissu, qui est B2B et B2C, donc vous avez plusieurs types de clients, ainsi que des matériaux à base de fibres. Bref, c'est important d'en parler parce que pour nous, c'est important de bien comprendre ce que vous offrez en fait et vos types de clients. Par la suite, on a été un peu plus approfondir qui vous étiez et qu'est-ce que vous avez fait récemment. Et ça, c'est le programme Propulser le progrès, qui est voir grand et aussi que vous êtes le leader en économie durable. Et donc, Propulser le progrès, vous parlez vraiment à la communauté, vous partagez vos valeurs, ce que vous faites et ça offre des résultats concrets. Donc, on trouvait ça important de t'en prendre en considération. Et d'ailleurs, ça vous a valu une 18e place au Global 100. Ensuite, on voulait un peu voir comment vous étiez perçu sur le marché. Donc, on a utilisé des outils tels que Eureka qui analyse en fait le côté positif qui parle de vous sur les médias. Et vous avez un reflet positif de 77%, ce qui est assez bon là en commentaires positifs sur les médias.
Mais c'est bon aussi d'aller regarder à l'interne et non seulement à l'externe. Et donc, à l'interne, on a été utiliser des outils tels que Glassdoor. On peut voir que vous avez quand même une belle perception, que vos valeurs parlent beaucoup aussi à l'interne, avec une moyenne de 3,6 sur 5 qui ressemble beaucoup aussi à la perception là, à l'externe. Mais bien sûr, il y a toujours des petits défis là, au niveau de l'interne. Bien sûr, personne n'est parfait, mais on voulait quand même bien comprendre là, ce qui se passait ici à l'interne. Par la suite, suite à l'analyse, on a cru remarquer que vous avez une fibre régionale qui est assez forte. En effet, puisque vous êtes vraiment ancré dans les communautés, vous parlez beaucoup aux communautés, vous êtes vraiment très régional. Et donc, la fibre provinciale et nationale est parfois un peu moins présente. Et aussi, le défi de recrutement, là, depuis quelques années, en fait, bien sûr, pour toutes les entreprises, il y a un énorme défi de recrutement, il y a un énorme taux de roulement dans les employés. Donc, on a été aussi regarder un petit peu de ce côté-là. Ensuite, les communications, on ne peut pas passer à côté de ça. Cascade, vous avez de très belles communications, vous parlez de vos valeurs, vous parlez de qu'est-ce qui est important pour vous, le changement que vous faites, votre plateforme, source de possibilités. Cependant, est encore très peu exploité dans les médias payants. On la voit sur vos réseaux sociaux, mais moins en télé, radio, etc. Et ce type de plateforme-là utilise un ton inspirant, fier, mobilisant qui vous représente super bien. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que vous faites énormément de campagnes de recrutement en ce moment sur vos réseaux. Et toutes ces belles campagnes-là, en fait, restent les mêmes sur vos réseaux, donc LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Vous avez peu de campagnes diversifiées, vous utilisez les mêmes partout. Donc, ça nous mène aux trois grands constats de la marque, soit que vous êtes le leader incontesté de votre industrie en développement durable, que vous avez une image de marque forte avec un potentiel énorme d'extension, et aussi que vos plateformes de communication, quoi qu'elles soient bien ancrées, sont peu exploitées. Merci Maud. Donc, on peut maintenant faire un pas de plus sur le fil pour parler au niveau de la concurrence. Pour la concurrence Cascade, vous le savez, vous êtes dans plusieurs domaines. Par contre, on a trouvé intéressant d'organiser selon ces trois piliers. Premièrement, organisationnel. Deuxièmement, vraiment, au niveau des produits, on s'est vraiment concentré sur le produit Fluff & Tough. Et également au niveau des employeurs, parce que comme on l'a mentionné, le recrutement n'est pas à négliger. Donc, pour commencer avec la portion organisationnelle, veuillez noter qu'on en a analysé seulement trois par souci des recherches. Premièrement, on a Kroger, qui serait votre concurrent le plus direct. En fait, autant au niveau des produits d'emballage et des produits d'hygiène. Et puis, justement, ils ont comme valeur les gens, la planète, la prospérité. Et puis, ils viennent tout juste en février 2022 de lancer un nouveau produit d'hygiène, donc Bonterra, qui est vraiment axé le développement durable et qu'ils qualifient même d'innovation, ce qui est quand même assez drôle puisque Cascade, vous êtes la lande depuis vos tout débuts. Ensuite, c'est sûr qu'il y a un segment d'énergie renouvelable qui vient un petit peu les différencier, qui sort un petit peu là, du domaine des pâtes et papiers. On a ensuite Domtar, qui est un concurrent un peu plus là, B2B, qui devient justement un nouveau concurrent d'emballage parce qu'ils sont en train de construire une nouvelle usine afin d'exploiter ce segment-là qui sera exploitable dès 2022. Leur plateforme de marque, c'est un avenir meilleur ensemble. Par contre, c'est quelque chose qu'ils exploitent plus sur leur site web que sur leurs différents médias sociaux, ce qui vient vraiment le différencier Cascade à ce niveau-là. Et puis Cascade, vous œuvrez plus loin qu'au Québec, en fait, à l'international. On a regardé beaucoup de concurrents internationaux, puis on est venu à International Paper, qui est une compagnie qui a des valeurs très semblables à Cascade aux États-Unis, en fait, autant au niveau d'emballage, justement. Leur but est également d'améliorer la vie des gens, la planète, leur communauté, etc. Et ils ont également une vision 2030, là, tout comme vous, Cascade. Ensuite, au niveau des produits, vos concurrents des produits d'hygiène, vous les connaissez, Charmin, Cashmere et Royal. Charmin, qui est un concurrent américain, qui se qualifie vert un peu sur leurs médias et sur leur site web. Par contre, c'est très controversé parce qu'il y a beaucoup d'articles qui diraient justement que ce serait le pire polluant au niveau des produits d'hygiène. Mais ensuite, Cashmere, qui est une autre entreprise canadienne, en fait, qui est un produit de la gamme Kruger qu'on a présenté un peu plus tôt et qui présente une seule gamme enviro-friendly, si vous me le permettez. Puis finalement, Royal, qui se positionne plus avec des emballages verts que des produits verts et qui se qualifie fièrement canadienne, bien que c'est une marque américaine, en fait, c'est une sous-marque du géant Irving. Au niveau de leur communication, les communications, en fait, dans les produits d'hygiène, c'est souvent axé sur les qualités du produit. On peut voir la petite famille d'ours que vous connaissez tous avec leur publicité, en fait, surtout télévisée. Par contre, ils essayent tous un peu de s'approprier le développement durable, mais gardent quand même ces images-là pour le communiquer. Ensuite, on peut maintenant terminer au niveau vraiment des campagnes d'employeurs. En fait, ce qu'on voulait voir, c'est des entreprises québécoises qui recrutaient en fait les mêmes talents que vous. Donc, on peut vous les présenter. Premièrement, on a Rio Tinto, qui recrute vraiment au niveau, là, surtout des matières premières.
mais ensuite Boralex, qui est d'ailleurs une autre entreprise qui est présente à Kinsey Falls et qui est vraiment axée là, sur le développement durable avec leurs énergies renouvelables. Puis Hydro-Québec, aussi développement durable, et qui se classe deuxième au palier là, des meilleurs employeurs canadiens. Donc, c'est vraiment des inspirations pour vous, si on peut voir à la prochaine, des inspirations, mais aussi des concurrents, en fait, qui prennent de la place sur leur marché, qui ont des campagnes de marque employeur assez fortes et qu'il faut quand même prendre en considération, mais tout de même se démarquer. Au niveau des constats, finalement, pour la concurrence, bien, c'est un marché compétitif avec un discours là, pour tous les joueurs qui est axé vraiment sur le développement durable parce qu'on le sait, c'est le futur. Ensuite, au niveau des produits, c'est souvent des produits qui sont un peu plus indifférenciés dans le marché avec des images de marque et des messages qui sont très semblables. Pour finir, avec des marques employeurs fortes et qui compétitionnent sur les mêmes talents. Donc, c'est vraiment important pour Cascade de venir tirer son épingle du jeu pour ce constat-là. Donc, Cascade, j'espère que vous avez suivi le fil parce qu'on est rendu maintenant au marché. Donc, plusieurs tendances, mais on va commencer par le marché en pleine expansion ici. Le marché des pâtes et papiers, il y a quand même une belle croissance qu'on voit. Il y a eu des années difficiles avec, on peut voir la crise du papier imprimé, mais il y a toujours d'avancement. On prévoit même une croissance de 5% d'ici 2028. Ensuite, cette belle croissance-là, bien, elle fait de plusieurs vecteurs qu'on trouvait important de souligner chez Funambule. Les technologies, on voit un peu partout, la numérisation, la robotisation des machineries. Donc, on voit un nouveau marché, on voit une perspective peut-être à court terme de comment on peut amener l'industrie un peu plus loin. Sinon, la polyvalence de la fibre de papier que vous connaissez très bien, Cascade, et ça permet un bel engouement sur la durabilité, qui est notre troisième vecteur ici, parce que la durabilité pour plusieurs entreprises est rendue au cœur des changements. On voit une belle possibilité parce que l'environnement, bien, c'est important. Ensuite, des horizons guidés par des priorités gouvernementales, on ne peut pas passer à côté. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il fait du support. On peut voir l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Donc, il y a des plans d'action qui sont mis, des priorités ministérielles, les emplois, la technologie, aide partout dans les régions, l'énergie verte, l'électrification qui sont au cœur des priorités. On veut rendre les flottes moins avec du gaz, et sinon la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, tous ces critères-là, bien, chez vous, on voulait juste souligner que Cascade, vous y répondez. C'est un point très fort sur le marché. Donc, tout ce que je viens de dire par rapport à l'élan, bien, il y a quand même certains défis qu'il ne faut pas oublier de souligner. Par exemple, l'inflation qu'on voit dans tous les domaines, on peut voir avec le prix du gaz présentement qui est à la hausse, et le papier toilette n'a pas été évité, et Cascade non plus. On peut voir qu'il y a le IPC de 4,4 qui n'a jamais été vu depuis les années 2000. Donc, il y a vraiment une priorité autour du prix qu'il faut vraiment prendre en connaissance. Il y a même une hausse du prix de papier toilette de 15,6% dans la dernière année. Donc, c'est vraiment important de le souligner ici que c'est un enjeu important. Ensuite, le greenwashing, qui est une tendance pour plusieurs entreprises. Donc, c'est vraiment une monnaie d'échange, l'argument vert qui va être pris. Et ça, près de 42% des entreprises utilisent même des fois ce critère-là dans leur publicité. Et ça porte une confusion auprès du public et du marché qui fait vraiment les bonnes initiatives environnementales et qui peut être vraiment confus parce que, comme vous, par cassette que vous prenez, ça peut mener un peu d'envergure ici. Ensuite, la crise en main d'œuvre, on a souligné dans nos différentes parties, c'est vraiment un enjeu important. On a pu voir des fermetures d'usines, même des fermetures d'écoles pour former notre élève dans l'industrie du pâte et papier, même en Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment un enjeu à prendre en considération puisque ça peut amener, on veut avoir des gens qualifiés, on veut avoir des bonnes personnes aussi. Donc, pour le marché, deux constats importants à souligner ici. Une belle perspective d'avenir qui va être propulsée par l'innovation, mais aussi tout ce qui est en lien avec le développement durable. Et ensuite, les enjeux importants que j'ai soulignés plus tôt, l'inflation des prix, qui est très important à considérer, et la main-d'œuvre. Cascade, vous nous avez posé une simple question. Qui sont les cascadeurs de demain? Laissez-moi y répondre. On a décidé de faire un survol de la génération Z et la génération Y, donc les milléniaux. C'est des gens de 16 à 40 ans qui font partie, en fait, c'est 39% de la population canadienne. Ils ont vécu dans une période de mondialisation qui n'avait jamais été vécue auparavant et ils vivent dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Et les technologies qui les interpellent sont les médias sociaux, sont la messagerie instantanée ou encore les algorithmes. On a ciblé 4 types de profils des milléniaux et de la génération Z. Tout d'abord, ce sont des citoyens engagés. C'est près de 80% des jeunes aujourd'hui qui considèrent l'environnement comme un enjeu important. Et ça l'a dépassé dans les dernières années, la santé et l'économie. Donc, c'est rendu l'enjeu numéro 1 chez les jeunes d'aujourd'hui. Ce sont aussi des gens qui veulent conduire le changement.
avec leur pouvoir individuel, ils veulent créer un impact dans leur société, ils veulent avoir un impact sur leur futur pour avoir un avenir plus prospère. Ce sont aussi à 69 % qui sont optimistes par rapport à l'avenir. Durant la pandémie, on a senti un courant de mobilisation partout à travers la planète qui a fait en sorte que les gens ont vu que tout le monde peut se mobiliser pour réagir à une cause et réagir à une crise. Donc, il y a vraiment un vent d'optimisme de ce côté. Ce sont aussi des consommateurs demandants. Il y a 60 % qui croient que les entreprises ne font pas réellement des efforts pour l'environnement. Donc, on voit que pour vous, Cascade, c'est le contraire. Vous en faites pour de vrai des gestes en fait durables. Aussi, c'est 91 % qui agissent en faveur d'une marque qui vont prôner des valeurs par-dessus des objectifs financiers. Et c'est près du 3/4 qui sont prêts à abandonner une marque si celle-ci fait un faux pas, autant du côté développement durable, autant du côté employeur, diversité, etc. Donc, on remarque aussi qu'ils ont une grande sensibilité à la fausse information. Donc, des entreprises qui mettent de la fausse information sur le web, ça va être détecté facilement par cette cible. Ce sont aussi des acheteurs futés. Ce sont des jeunes qui sont sensibles au prix, notamment pour les différentes commodités, donc pour les achats essentiels tels que du papier toilette. Les gens vont être prêts à payer un petit peu moins cher pour s'en procurer. Et c'est aussi des gens qui recherchent l'efficacité. Donc, c'est la raison numéro 1 des achats en ligne et c'est la raison numéro 1 aussi des achats en magasin. Mais on disait qu'ils sont un cheap, si vous me permettez l'expression, sur les produits essentiels, mais sont prêts à 40 % de payer davantage pour des produits ou services durables. Et c'est une génération qui peut être influençable, notamment par les avis des autres acheteurs sur le web à 41 %. Et ils sont aussi influencés par leur famille et par leurs amis. Mais surtout, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont une main-d'œuvre rare et précieuse aux attentes élevées. Donc, ce sont des travailleurs qui sont exigeants. Donc, il y a 67 % qui désirent avoir un horaire plus flexible. Il y a le 3/4 qui désirent travailler sur des projets qui ont un impact. Donc, ils veulent se sentir qu'ils ont une importance au sein de l'entreprise et qu'ils ont une importance aussi à long terme, autant pour leur carrière, mais aussi pour le marché. Et c'est près de 69 % qui considèrent que des initiatives de diversité et d'inclusion sont essentielles au sein même d'une entreprise. Donc, ce qu'on constate avec toutes ces stats-là, parce que là, je vous ai envoyé plein de stats, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont des citoyens engagés qui ont vraiment des valeurs profondes et qui veulent se faire représenter au sein de l'entreprise selon leurs valeurs. Ce sont aussi des consommateurs qui sont informés, donc ils vont toujours faire des recherches avant de se procurer des achats et qui sont à la recherche d'efficacité pour au final conduire le changement, avoir un impact dans leur société. Et ce sont aussi des employés exigeants qui veulent aussi avoir un impact dans leur travail. Donc au final, les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir un impact dans le monde pour leur avenir. Mais là, c'est bien beau tout ça. On vous a fait l'analyse de Cascade, vous vous connaissez bien. Mais avec un petit peu de recul, on s'est dit, c'est quoi les grands constats qui ressortent de ça? Et les voici. En fait, comme Max vient d'en parler, bien sûr, les jeunes aiment avoir un impact. Ils s'impliquent dans les entreprises qui ont des grandes valeurs. Et donc, le grand constat qui ressort de ça, c'est que rattacher les valeurs de Cascade à celles d'une cible plus jeune, c'est quelque chose qui est super important. Et d'ailleurs, Cascade, vous avez la chance d'être plus qu'une marque. Vous êtes une communauté, vous êtes une famille, vous avez de belles valeurs. C'est donc important d'être un acteur de changement dans le monde, sur l'environnement et dans les communautés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? On voulait répondre à votre question. Qui sont les cascadeurs de demain? Eh bien, être un cascadeur, une cascadeuse, c'est être un acteur de changement pour un monde plus humain, innovant et durable. Et ça, Cascade, c'est vous. Donc, pourquoi Cascade faire affaire avec Funambule aujourd'hui, pardon? Donc, Funambule, on est une entreprise d'ici avec des valeurs d'ici tout comme vous. Comme on l'a mentionné tout au long de la présentation, vous avez vos valeurs qui sont propres à vous. Vous êtes cascadeur et nous sommes Funambule et ensemble, on peut faire la meilleure équipe sur le marché. De plus, on a une méthode de travail agile, flexible et audacieuse qui va vous permettre d'aller toujours plus loin parce qu'on comprend le marché, on comprend les enjeux et on est prêt à pousser plus avec vous pour atteindre le but final. Aussi, Funambule, nous sommes une agence qui va vous proposer
non seulement des idées créatives qui vont vous permettre de vous démarquer, mais des idées qui ont un impact autant pour le marché que pour le consommateur dans un marché en constant changement. Donc, on a fait le tour ensemble, Cascade, Funambule, on a fait le fil, on a trouvé en fait, on vous a démontré le fil de votre entreprise, on vous a démontré des opportunités. Maintenant, à mon tour de vous poser une question, êtes-vous prêt à faire un pas de plus vers le fil du succès? C'est maintenant la période de questions. Donc, la période des questions, les 5 minutes, c'est débuté. Vous avez parlé de votre méthode de travail, agile, flexible, audacieuse. C'est super intéressant, mais aussi il y a des budgets, il y a des échéanciers. Comment vous alliez un peu ces deux côtés-là plus créatifs, puis aussi faire arriver les choses? C'est sûr qu'à Funambule, on est audacieux, mais on est aussi très content de ce qui se passe dans le marché. On a les bons chiffres, on est capable, Marcel, notre directrice stratégique, et moi-même numérique, on essaie vraiment de trouver les bons chiffres. Et on a vraiment une belle approche par rapport à ça. On sait placer les bons montants au bon endroit. Merci. Est-ce qu'il y a des si je peux me permettre, en fait, une de nos grandes valeurs d'équipe aussi, c'est de travailler ensemble en équipe. Et c'est aussi le but premier qu'on veut faire avec vous. En fait, évidemment, on veut être plus fort avec vous, plus fort ensemble. On pense qu'on préfère une bonne équipe et on est toujours prêt aussi à vous écouter et travailler en équipe. Et Cascade, depuis votre création, vous avez toujours eu un impact. Puis nous, avec vous, c'est ce qu'on veut vous proposer, c'est d'avoir un impact pour le futur des consommateurs et du marché. Oui, c'est bon avant. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de la compréhension du marché pour tout ce qui est papier et tout ça. Est-ce que vous avez quand même pris le temps de jeter un œil sur les autres marchés de Cascade, soit tissu, emballage et tout ça? Parce qu'on comprend que le premier marché, vous l'avez. Les deux autres, on voulait juste savoir si vous êtes autant en confiance à ce niveau-là que vous êtes avec les papiers. Bien oui, c'est sûr, c'est vraiment encore du côté organisationnel, là, par souci un peu aussi de la durée de la présentation, c'est sûr qu'il a fallu couper un peu plus côté papier, mais on a fait beaucoup de recherches, on a encore plus à vous démontrer si vous voulez poursuivre le fil avec nous, mais c'est sûr que ceux qu'on vous a présentés, il y en a également d'autres, c'est sûr, je vais le répéter, avec nos recherches. Oui, vous avez parlé d'une main-d'œuvre rare, précieuse, aux attentes élevées. Est-ce que vous vous considérez comme une main-d'œuvre aux attentes élevées? Oui, notre cible, en fait, c'est nous. C'est, dans tous nos gestes qu'on pose dans la vie, on veut avoir un impact. Puis, pour le travail, on a besoin que ce soit plus flexible, que ce soit du télétravail. On veut sortir du cadre du 9h-5h. On veut avoir que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Donc, on cherche vraiment une plus flexibilité, puis on s'identifie vraiment aussi dans le public cible. Puis ça a été simple de chercher la cible, puisqu'on s'est juste dit, nous, qu'est-ce qu'on est, en allant chercher aussi des stats qui prouvaient aussi que c'était vraiment ça. Si je peux ajouter vraiment, au niveau de Funambule, c'est sûr qu'on a des attentes élevées. Par contre, on vous l'a mentionné, Cascade, vos valeurs sont tellement fortes, répondent tellement aux attentes de la cible. Alors, c'est sûr que vraiment, au niveau des attentes élevées du consommateur, Cascade, c'est vraiment quelque chose là, que vous venez cocher. En fait, j'ai peut-être une question. Dans votre présentation, vous avez axé sur le fait que Cascade était plus local ou régional versus national. Puis moi, j'aimerais savoir un peu comment vous voyez votre travail dans un contexte un petit peu plus international avec les États-Unis, le Canada. Donc, comment vous voyez que vous allez être capable de nous amener quelque chose là-dessus? C'est sûr que dans l'analyse du marché, on a essayé de compiler, mais on a vu beaucoup d'exemples en Asie, qui est un marché très propice aux États-Unis. On sait que vous avez mis un pas aussi en États-Unis il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est vraiment une extension qui est possible, puis on a beaucoup de stratégies qui peuvent mêler à une grande envergure pour vous, Cascade. Puis pour ce qui est des valeurs du consommateur, c'est pas nécessairement juste le Québec qui agit comme ça. On remarque qu'avec le contexte de mondialisation, ça fait en sorte que tous les jeunes s'identifient aux mêmes valeurs et ont vraiment le goût du changement. Merci.
Il reste une minute à la période des questions. Aviez-vous une question?
Bonjour et bienvenue à la présentation de l'épreuve contrat. Est-ce que l'équipe peut me confirmer la lettre assignée à leur université? La lettre? La lettre est II. Oui, okay. désirez-vous les instructions en anglais ou en français? En français. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous découvrez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et après, je ferai un décompte avec mes doigts là, pour les 10 dernières secondes. Donc, une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question. Veuillez noter que dans aucun cas, vous ne pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous allez pouvoir débuter votre présentation. Est-ce que vous avez de la difficulté avec les... Oui. Merci beaucoup. En fait, c'est les trois petits points ici. On fait présenter. Super. Puis j'appuie sur le bouton là, j'imagine. Oui, tu peux laisser ici. Oui, super. Merci. Bon. Parfait. Donc, vous pouvez vous présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Mélanie, alors je suis directrice d'acquisition de talent pour Cascade. Enchantée. Bonjour, moi c'est Amélie, je suis chef de catégorie côté B2B. Groupe Sud. Enchantée. Bonjour, moi c'est Julie, je suis aussi au groupe B2B et puis je suis marketing manager. Enchantée. Bonjour, moi c'est Annabelle, je suis chef de marque pour Cascade Profita. Enchantée. Bonjour, Julie Bouliane, coordonnatrice aux dons et commandites chez Cascade. Enchantée. Bonjour. Bonjour, Véronique Beau, stagiaire en communication. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Jessica Ménard, je suis rédactrice de cas et je suis également finissante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Enchantée. Salut, moi c'est Laurence Aubé-Comeau. Je suis également rédactrice de cas et je suis également finissante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Allô, enchantée. Bonjour. Donc, vous pouvez écouter la présentation comme ça. Moi, dans la vie, je peux vraiment crier bingo quand que je vois des marques qui prennent l'éco-responsabilité. Personnellement, moi, je crie bingo quand je peux m'identifier à une marque qui vient réellement rejoindre mes valeurs. Pour ma part, je crie bingo quand je vois des entreprises qui font preuve d'écoute. De mon côté, je me dis bingo quand une marque favorise l'interaction et la complicité tout simplement. Alors Cascade, vous l'avez bien compris, on est quatre joueuses dans l'âme, quatre game changers, prêtes à créer bingo quand on trouve l'insight irrésistible, le slogan qui fait rêver et les idées éclatantes. L'agence créative Bingo, c'est une équipe qui s'est serrée, qui est vraiment basée sur une approche humaine, basée sur la co-création en fait, fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, je me présente, Isabelle, je suis vue comme la maître du jeu, donc vraiment celle qui va veiller au bon déroulement de la partie pour mener les joueurs vers la victoire. Allô, moi c'est Alexandre et je suis la stratège. Donc comme joueuse, on me décrit comme étant la mastermind puisque c'est moi qui vais vous élaborer une stratégie gagnante. Bonjour, je m'appelle Mégane, la conceptrice que d'actrice. On me surnomme aussi comme étant la joueuse intrépide qui va vous trouver des concepts et des slogans accrocheurs pour vraiment sortir de la carte de jeu et ajouter une touche de fantaisie. Enchantée, moi c'est Pénélope, la directrice artistique. On me surnomme aussi la joueuse visuelle. Donc je sors mon côté innovateur et créatif afin de venir m'assurer de faire briller votre image. Donc, nos quatre valeurs que l'on veut mettre auprès de vous, c'est l'audace, parce que c'est vraiment la cause sur laquelle on veut miser pour une stratégie gagnante. Ensuite, on a l'intégrité, parce qu'au bingo, comme dans la vie, on est vraiment des joueurs qui sont honnêtes. Puis, on a la coopération, parce qu'on veut vraiment venir s'unir pour pouvoir gagner tous ensemble. Puis, on a le plaisir, parce qu'on veut que vous vous souveniez qu'avec nous, c'est toujours le fun. Donc, notre carte bingo, c'est vraiment un peu le terrain de jeu qu'on se donne pour créer. Donc, on s'est dit, on va se créer des petites règles d'or qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Ça commence par la première règle, c'est on veut faire ressortir l'enjouer en vous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que retrouver des idées colorées là, dans la vie, c'est toujours une partie de plaisir avec nous. Ensuite, on veut jouer le tout pour le tout, en fait. Donc, on veut aller chercher la case pleine. Ça veut dire, on veut cocher toutes vos cases, tous vos besoins, en fait.
Ensuite, à l'étape du brainstorm, on veut sortir de notre zone de confort. On veut vraiment aller chercher des stratégies qui vont être gagnantes là, de tous les points. Puis, le but ultime, on veut étamper votre marque au sein de votre communauté. Donc, on peut vraiment dire qu'ensemble, on sait unifier nos efforts pour assembler des combinaisons qui vont être gagnantes. Maintenant, maintenant qu'on s'est présenté, on aimerait savoir qui vous êtes, vous, Cascade, en fait. Pour ce faire, on vous a créé votre propre carte bingo à votre effigie. Puis, on s'est tout de suite rendu compte que bien, vous êtes beaucoup plus qu'une équipe. En fait, vous êtes une famille. Puis ça, c'est vraiment ce qui fait votre force à vous. Puis, dans n'importe quelle famille, les valeurs, c'est toujours important. Donc, pour vous, une valeur primordiale, c'est le respect. Ensuite, on s'est rendu compte que vous êtes des gens intègres, tout comme nous. Donc, c'est important pour vous de parler vrai. Ensuite, on s'est rendu compte surtout que vous êtes des gens passionnés, donc dans tout ce que vous faites, ce qui fait de vous là, vraiment là, des personnes qui vont avoir du cœur au ventre. Donc, en effet, Cascade, vous êtes un joueur très fort. Vous êtes vraiment la première entreprise de récupérateur de papier au Canada. Vous êtes innovant. Vous êtes un vecteur de changement positif au sein de l'environnement, au sein de la société. Vous êtes responsable. Vous prônez une gestion qui est basée sur une approche humaine. Vous êtes des créateurs de valeurs. D'ailleurs, vous êtes un gros joueur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Vous faites preuve de polyvalence. D'ailleurs, vous assurez une présence autant business to consumer, business to business et business to employee. Alors, on le sait, on est en pleine pandémie, puis en plus, les enjeux sociétaux n'ont jamais été autant médiatisés, on n'a jamais été autant au courant de tout ce qui se passait à travers le monde. Et c'est justement en temps d'adversité et de crise que vous avez l'opportunité de venir faire briller votre image, que ce soit auprès de vos consommateurs, auprès de vos entreprises partenaires ou bien auprès de vos employés. Puis qu'est-ce que les trois ont en commun? C'est l'aspect human to human, donc le H to H. Les trois recherchent une marque humaine engagée auprès de la communauté. Puis justement, on veut venir leur communiquer une identité de marque cohérente qui va vraiment mettre en valeur mettre de l'avant vos valeurs humaines. Donc, Cascade, vous nous avez demandé qui étaient les cascadeurs et cascadeuses de demain. Donc, en faisant une petite recherche sur votre site web, on s'est rendu compte que les cascadeurs, c'était le nom que vous donniez à vos employés. Donc, à ces gens-là qui vous aident à bâtir la marque Cascade à tous les jours. Donc, on sait présentement que la main-d'œuvre est au cœur du succès, surtout dans un contexte d'innovation. Puis, en ce moment, il y a vraiment une grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, au Québec, c'est plus de 117 000 postes qui sont à pourvoir. Donc, on peut s'imaginer de l'ampleur que ça peut prendre au niveau national et international, étant donné que vous avez des usines autant en Amérique du Nord qu'en Europe. En ce moment, on a fait une recherche sur Glassdoor pour se rendre compte que vous aviez 434 postes qui étaient vacants. Donc, la pénurie de main-d'œuvre vient vous toucher directement. Puis, si on regarde un petit peu le marché de l'emploi pour le moment, on sait que, dans le fond, le secteur manufacturier et le secteur des technologies de l'information sont grandement touchés par cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, le secteur manufacturier, c'est la troisième plus grande industrie à être touchée. Donc, il y a plus de 25 000 postes qui sont à pourvoir en ce moment. Puis, le secteur des technologies de l'information, c'est le quatrième plus touché, avec environ 13 000 postes qui sont à pourvoir en ce moment. Donc, on sait que cette pénurie de main-d'œuvre-là, ça vient vraiment augmenter les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et encore plus, étant donné que le prix de la matière première est en constante augmentation. Donc, le contrat qu'on s'est établi aujourd'hui, c'était d'identifier les tendances et les besoins des cascadeurs de demain par le biais d'une analyse stratégique de la marque employeur. Donc ici, ce qui est important de se souvenir, c'est que le human to human, ça part vraiment d'une bonne relation avec ses employés, puis ça va se refléter dans le fond avec vos consommateurs et vos partenaires. Donc maintenant, c'est vraiment le temps de mettre les cartes sur table. On veut avoir une bonne vision de votre situation à vous, Cascade. Donc, on ne peut pas passer à côté, ça fait maintenant 2 ans qu'on est en pandémie. Ça, là, ça a vraiment changé énormément les habitudes chez les gens, autant au niveau de leur consommation d'achat, autant au niveau de leur réorientation d'emploi, autant au niveau de leurs habitudes, tout simplement. Donc ça s'appelle la grande démission. Donc la grande démission, c'est vraiment un phénomène qui est là depuis la pandémie, puis ça fait en sorte que vous, en tant que marque, ça, c'est à prendre en considération, en fait, parce que ça veut dire que les gens, aujourd'hui, ont vraiment fait une rétrospection de leurs valeurs. C'est vraiment, ils ont décidé de changer leurs habitudes dans toutes les sphères. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils veulent avoir
des marques qui vont vraiment être capables d'aller cibler leurs habitudes, cibler leurs valeurs, donc qui vont aller être capables d'être à l'écoute, en fait. Donc, en gros, on sait que les gens savent maintenant davantage ce qu'ils veulent, donc votre entreprise doit vraiment cocher toutes leurs cases, tous leurs besoins, donc vraiment toutes leurs demandes. D'ailleurs, un autre enjeu bien important qui a été soulevé, c'est le phénomène du burn-out. En effet, il y a près du tiers des travailleurs qui affirment qu'ils sont épuisés et même que ça a engendré des pertes de centaines de milliards de dollars aux entreprises dues aux effets du stress et d'où l'importance de la santé mentale dans la culture d'entreprise et au sein de la société. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce qui est important à retenir? C'est qu'il faut définir votre marque à partir de votre culture et non l'inverse. Parce qu'on veut venir faire de vos employés des ambassadeurs de marque, donc des gens qui vont être tellement satisfaits, vont tellement aimer les valeurs chez Cascade, qui vont vouloir faire du bouche à oreille positif, incarner la confiance chez vos partenaires, chez vos clients. Donc, c'est vraiment là qu'on voit l'importance, justement. Donc, on part d'une proposition valeur employé à une proposition valeur marque parce que c'est vos employés qui vont vraiment transmettre l'identité de marque, de Cascade. Bon, on veut faire rayonner la marque là, à l'intérieur puis par la suite à l'externe. Donc, si on se concentre plus à l'externe, on a un concept qui s'appelle le brand love. Donc, ça consiste à séduire les clients par des valeurs fortes et des engagements qui vont être significatifs. Donc, avec ça, on veut vraiment venir fidéliser les clients, que ce soit autant les consommateurs que les partenaires, pour qu'eux aussi deviennent des ambassadeurs de votre marque. Et ça va se refléter, dans le fond, par la suite, avec une identité de marque forte. Donc, votre entreprise, vous voulez montrer, dans le fond, votre marque à vos consommateurs. Donc, c'est vraiment l'image que vous voulez donner. Puis, eux, ils vont la recevoir, vos consommateurs vont la recevoir. Donc, c'est l'image de la marque. Donc, c'est vraiment l'image qui va être perçue de votre marque. Donc, le but ici, c'est de vraiment venir minimiser l'écart entre votre identité de marque et l'image de marque, dans le fond, que les consommateurs vont percevoir. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est un sondage auprès de 100 répondants de 18 à 35 ans où on leur demandait qu'est-ce que représentait Cascade pour vous en trois mots. Donc, les mots qui sont revenus le plus souvent, c'était responsable, innovante, familiale, papier, verte, impliqué, leader et grande entreprise québécoise. Donc, on peut voir que vous avez quand même une très bonne notoriété auprès de ces 18 à 35 ans-là. Puis, au niveau du human to human, c'est des termes qui sont très positifs. Par contre, on a deux termes qui revenaient quand même assez souvent, c'était traditionnel et vieux modèle d'affaires. Toutefois, on peut toujours le voir d'une façon positive où on pourrait venir rajeunir la marque un petit peu pour vraiment venir chercher votre relève. Oui, exactement, parce que plus qu'on minimise l'écart dans le fond, plus qu'on va venir fidéliser vos clients, puis plus qu'ils vont comprendre et apprécier le message que vous essayez de leur transmettre. Donc, on vous l'a dit, le tout part de l'intérieur, donc on s'est donc intéressé à qu'est-ce que les entreprises prospères, les entreprises de demain font, sur quels attributs ils s'appuient à l'interne afin de vraiment faire rayonner leur marque autant à l'interne qu'à l'externe. Donc on voit ici qu'il est mis sur une gestion des ressources humaines repensées, une relève planifiée qui assurera la pérennité, l'innovation et une équipe inclusive et diversifiée. Donc pour ce faire, nous avons analysé quatre joueurs bien importants qui véhiculaient une image, une identité de marque forte, pardon, ainsi que des valeurs qui venaient rejoindre les 18-34 ans. Donc, le premier joueur qu'on a analysé, c'est tout d'abord BRP, donc une nouvelle image de marque qui vient vraiment rejoindre les conducteurs et le communique de façon très distincte. Ainsi, nous avons aussi L'Oréal, qui est vraiment le chef de file en matière de beauté et de cosmétique au Québec. Et c'est une entreprise qui est paritaire, qui va prôner l'intégrité et l'éthique. Également, ils ont investi grandement dans des initiatives sociales. Par ailleurs, nous avons aussi identifié deux entreprises bien importantes, des joueurs qui se démarquaient auprès de la relève, comme l'a mentionné ma collègue lors de notre sondage. Et donc, nous avons tout d'abord Google, qui mise vraiment sur une philosophie de marque, qui valorise l'inspiration et la réalisation de soi et même de ses aspirations. Pardon. Ils encouragent même leur communauté à atteindre des nouveaux sommets. Nous avons aussi un autre joueur qui est Desjardins, qui vraiment valorise la diversité et l'inclusion, qui sont vraiment à l'écoute des besoins et bien sûr qui participent au bien-être financier de la collectivité. Mais maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui vous distingue, vous, Cascade, de toutes ces autres marques-là. Bien, en fait, on ne peut pas passer à côté. Vos valeurs familiales sont vraiment, vraiment, vraiment très présentes. Ça fait en sorte que ça fait de vous une marque qui est capable d'être à l'écoute, puis aussi de soutenir autant vos employés, autant vos clients, autant vos partenaires. Tout ça, ça crée un esprit de communauté
extrêmement forte chez vous, dont on peut penser notamment à vos cascadeurs et vos cascadeuses. Ensuite, votre petite case bonus de plus à vous, là, c'est que vous êtes capable de développer le plein potentiel de votre matière première là, au travers de la durabilité. Puis ça, c'est vraiment imprégné dans la tête des gens. Aussi, on a remarqué que vous avez une forte présence numérique. Par contre, peut-être juste un petit peu moins sur Instagram, mais ça, c'est vraiment un petit point intéressant peut-être à améliorer par la suite. Sinon, vous avez une forte présence là, vraiment sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Puisque le terrain de jeu est bien établi, qui sont exactement les cascadeurs et cascadeuses de demain? Et donc, nous avons, entre autres, à partir de notre sondage, nous avons décidé qu'il y a 64 % des gens qui sont vraiment à la recherche d'emploi ou même pour l'entrée du marché du travail, c'est une source de stress pour eux. Également, il y a 62 % qui estiment que leur futur, c'est un sujet qui les préoccupe grandement. Également, près de la moitié des répondants considèrent vraiment la culture et les valeurs de l'entreprise comme étant un critère primordial lors de la postulation d'un emploi. Et même qu'il y a des consommateurs qui seraient prêts à abandonner des marques qui ne rejoignent pas leurs valeurs, leurs nouvelles valeurs, en fait, dues à la grande émission, et seraient même à payer davantage pour celles qui le font. Mais qui sont exactement ces 18 à 25 ans? Donc, tout d'abord, on a analysé la génération Z, donc ces fameux 18 à 25 ans qu'on considère souvent comme des woke, parce qu'en effet, c'est des gens très réalistes, très pragmatiques, très éduqués. Dans le fond, c'est les activistes de ce monde. Un autre aspect intéressant, c'est qu'ils ont une très grande présence numérique, donc c'est certain qu'il faut aller les rejoindre à travers le numérique. Aussi, ils sont économes, donc ils voient vraiment la valeur de l'argent, puis il est mieux investir dans quelque chose qu'ils voient que ça apporte une valeur à long terme, qui va en lien justement avec leur style de vie qui est beaucoup plus hédoniste, donc en quête de réel bonheur, plutôt que de simple plaisir. Si on regarde un peu plus en détail leur carte bingo, donc on voit que, comme j'ai mentionné, ils sont pragmatiques, mais d'autres valeurs qu'ils ont, là, c'est l'honnêteté, l'humour, la liberté, donc c'est certain qu'on va venir les rejoindre à ce niveau-là aussi. Comme j'ai mentionné, c'est des gens nés dans l'hyperconnectivité, ils vont venir s'engager avec une marque par les médias sociaux, puis ils vont aussi faire des recherches sur la marque à travers les médias sociaux. C'est des gens très consciencieux, donc autant pour l'environnement, la société. C'est des gens qui aiment appartenir à un groupe ou qui peuvent s'épanouir ou que leur individualité est justement reconnue. Puis aussi, on sait que c'est une génération plus stressée, mais ils veulent justement détruire le tabou qui tourne autour de la santé mentale. Ils savent que c'est super important. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut retenir comme marque? C'est que la génération Z veut s'approprier une marque. Ils veulent que leur individualité soit célébrée. Donc maintenant, on va aller voir la génération juste un petit peu au-dessus, la 26-35 ans, les milléniaux. Les milléniaux, c'est qui? C'est des rêveurs, c'est des idéalistes. On peut voir également qu'ils vont être autant experts que les Gen Z au niveau du numérique. Ils vont peut-être être un petit peu moins présents, mais c'est quand même vraiment quelque chose à considérer là, pour une marque, d'aller les chercher sur les réseaux. Ensuite, c'est des gens qui vont avoir le goût de plaisir là, dans toutes les sphères possibles de leur vie. Donc, ça ne leur dérangera pas nécessairement de débourser un peu plus pour pouvoir vivre des expériences quelconques. Si on regarde au niveau maintenant de leur carte bingo à eux, on l'a vu, c'est des gens qui sont rêveurs, ils veulent avoir du plaisir, mais également c'est des gens qui veulent avoir une connexion émotionnelle avec une marque. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont être plus faciles à fidéliser en fait que les Gen Z par exemple. Ensuite, c'est des gens qui vont être des multitaskers, ce qu'on peut appeler, donc ça va vraiment être des gens avec un stress de performance, donc c'est également quelque chose à prendre en considération en tant que marque. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont en quête d'une appartenance. Donc, c'est des gens qui veulent être guidés par une marque, qui veulent appartenir à une marque. Puis, ils veulent sentir tout simplement qu'ils ont un impact bien, dans la société, tout simplement. Exactement. Donc, ces deux générations-là forment votre relève, les cascadeurs et cascadeuses de demain. Autant vos employés que vos consommateurs, parce que vos consommateurs sont aussi vos futurs employés. Puis justement, ils sont jeunes, on veut venir rajeunir la marque et venir les rejoindre, mais tout en gardant l'aspect que vous avez une grande expérience. Oui, vous êtes traditionnel, mais c'est très positif, ça montre justement votre expertise, votre expérience. Donc, on a aussi sondé leurs habitudes médiatiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est que les plateformes qu'ils utilisent pour s'informer et se garder à jour, c'est Urbania, Instagram, Facebook, TikTok, parce que oui, c'est de plus en plus du contenu éducatif qui montre les enjeux sociétaux. Apple Podcast, parce que là, on sait, c'est des multitaskers, ils veulent sauver du temps. Donc, quoi de mieux que de leur proposer du contenu là, raccourci, mais très enrichissant. Au niveau du divertissement, encore une fois, Instagram, TikTok, Nursity, YouTube et Strava, une application sportive, parce que la santé mentale fait partie de leur quotidien, donc bouger aussi. Au niveau de la recherche d'emploi, qu'est-ce qui est ressorti dans le fond? C'est Jobilco, Indeed, LinkedIn, Facebook. Et au niveau de l'échange, Messenger et Texto. Alors, on s'est davantage intéressé au parcours de la relation humaine et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, que ce soit un client, un employé ou même une entreprise partenaire, elles vont toujours passer par les mêmes étapes du parcours du jeu,
c'est-à-dire faire connaître, faire aimer, convaincre, puis retenir. Alors Cascade, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on a laissé aller notre esprit créatif et on est même prête à vous donner un avant-goût de notre créativité, un avant-goût de notre grande idée. Tout d'abord, rajeunir votre marque, conserver votre identité familiale, vecteur de changement positif, innovant, tout ça en entretenant une relation human to human. Ceci étant dit, on vous a tout de même concocté même un axe de communication parce qu'on était très inspirés. Et donc, c'est ainsi, Cascade, ça emballe tout le monde. Et oui, même ton chien. Quand tu es au bout du rouleau, on est là pour essuyer tes larmes, que ce soit dans tes pires journées ou des petits moments là, de malchance au quotidien, comme échapper ta toast de Burberry. Quand tu cartonnes, on s'emballe ensemble. Ben oui, même quand ta vidéo devient virale sur TikTok. Au fond, chez Cascade, on est tout simplement une famille tissée et emballée, c'est... Donc, on est même prête à ce moment-ci de vous donner une signature Cascade si on balance. À ce point-ci, on ne connaît pas encore le mandat, mais que ce soit un mandat qui s'adresse au B2B, au B2C ou au B2E, mais surtout le H2H, on a une panoplie d'idées, on est vraiment emballé par justement cette signature-là et l'axe de communication, donc nous avons vraiment hâte de vous montrer la suite des choses. Donc, Cascade, j'espère que vous l'avez bien compris, nous sommes les Game Changers dont vous avez besoin afin de défier le jeu du hasard. Aujourd'hui, on vous a vraiment démontré notre compréhension en fait de l'approche humaine et ce, dans toutes les sphères possibles. Et donc, on est convaincu qu'on va être capable d'aller cocher toutes vos cases afin que vous, à votre tour, vous allez crier bingo. Donc maintenant, Cascade, ben c'est à votre tour de jouer. Donc, donc, c'est certain que les cascadeurs, cascadeuses, on sait que c'est vos employés. Puis aussi, on sait qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est extrêmement important. C'est vraiment ça qui va refléter votre identité, qui va découler aussi sur tous les autres sphères relationnelles. Donc, autant chez vos consommateurs, chez vos entreprises partenaires. Donc, c'est justement pour cette raison-là qu'on s'est concentré là-dessus. On croit que c'est vraiment primordial en 2022, la marque employeur. Quelle raison est-ce que vous avez choisi BRP, L'Oréal, Google, Desjardins pour venir chercher des comparables avec nous? Oui, en fait, c'est ça, BRP puis L'Oréal, c'était les compagnies dans le fond, qui se démarquaient au niveau de leur valeur forte justement sur le magazine Forbes. Donc, ils sont allés sonder les employés de ces compagnies-là. Puis, ça s'est reflété dans le fond selon ce qu'eux disaient de ces compagnies-là. Donc, c'est vraiment un classement sur Forbes. Puis les deux autres, donc Gourou et Desjardins, c'est des entreprises sur le sondage qu'on a fait aux 18 à 35 ans. Donc nos 100 répondants, c'était des entreprises qui revenaient à multiples reprises. Donc c'est pour ça qu'on les a utilisées pour comparer. J'ai une question par rapport au site, justement par rapport à la marque employeur, est-ce que c'est une entreprise manufacturière? Est-ce que vous voyez une différenciation dans la façon de s'adresser? C'est certain qu'on sait que vous avez beaucoup justement de postes là, au sein de chez Cascade, puis c'est certain qu'il va falloir s'adresser différemment selon justement le poste que vous espérez combler. Mais je crois que tout de même, ça reste les valeurs restent ancrées. Puis, même un fait intéressant, là, apparemment, là, aujourd'hui, là, les valeurs, à cause de la mondialisation, les valeurs sont assez... l'écart est minimisé entre les valeurs. Donc, quelqu'un qui habite à Tokyo pourrait avoir les mêmes valeurs que quelqu'un qui habite au Québec. C'est un fait intéressant. Donc, je crois que, justement, là, on n'est pas inquiet par rapport à ça. On sait que l'humain, là, les valeurs humaines, ça va être super important, peu importe le poste que vous voulez combler. Justement, là, vous parliez de l'écart entre l'identité et l'image de marque. J'aimerais ça savoir, parce que en vous écoutant parler, c'est comme si l'image de la marque est relativement la même que l'identité, mais est-ce que vous savez la perception des gens qui ont sur Cascade? Puis c'est théoriquement, c'est quoi cet écart-là? Parce qu'en vous écoutant, on dirait qu'il n'y en a pas. Puis comme si on était déjà correct. Fait que c'est quoi que vous voyez comme écart?
Oui, mm-hmm. En fait, c'est ça, donc le sondage qu'on a, est, dans le fond, donné aux 18 à 35 ans, dans le fond, aux 100 personnes, c'était vraiment pour venir voir qu'est-ce qu'ils pensaient de Cascade. Donc, ben, en fait, c'était quoi leur perception de Cascade, justement. Puis, à ce niveau-là, c'est ça, on s'est rendu compte que votre notoriété était assez bonne. Donc, tu sais, les gens vous connaissaient, connaissent votre secteur, ils savent aussi que vous êtes une grande entreprise et que, si vous avez des valeurs qui forgent vraiment l'entreprise Cascade. Toutefois, c'est ça qu'on on remarque là, dans, entre l'image voulue et l'image perçue, c'est que vous, dans le fond, les images, dans le fond, les mots qu'on avait avant, c'était, j'imagine, ce que vous essayez de faire paraître, dans le fond, à vos consommateurs. Puis ceux-là, c'est les mots qui sont revenus, donc c'est ici le petit écart qu'il va y avoir entre image perçue et image voulue, donc c'était dans le fond ces deux mots-là qu'on voulait illustrer, mais il y a toujours moyen de venir jouer là-dessus justement en rajeunissant peut-être un petit peu la marque. Oui, puis si c'est je quand même positif. Excuse-moi. Oui, puis si je peux me permettre juste d'ajouter, tu sais, c'est vraiment pas, on veut pas que ça soit négatif, c'est pas des mots négatifs selon nous, parce que ça peut vraiment, on peut vraiment jouer avec ça en votre faveur, parce que tu sais, traditionnel, nous, ça nous a fait tout de suite penser à la famille, tout, on peut vraiment miser là-dessus. Votre côté, toutes vos valeurs familiales, là, c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans la tête des gens, de nous, qu'est-ce qu'on a vu avec notre sondage. Ça, c'est vraiment bon pour vous. Puis, tu sais, après ça, le modèle d'affaires également, ça prouve que vous avez une forte expérience, que ça fait longtemps que vous êtes sur le marché. Donc, c'est vraiment des bons commentaires, des bonnes notions quand même là, à mettre de l'avant, peut-être juste d'une façon, peut-être rajeunir la marque. C'était pour ça que c'était notre grand concept, en fait, à la fin. Là, donc, ouais, voilà. La période des questions est maintenant terminée. Donc,
discussion en anglais ou en français? Français. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis je vais faire un décompte les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et bien notez que lors de la période des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question. Et bien notez que dans aucun cas, vous ne pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite, vous allez pouvoir débuter votre présentation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Moi, c'est Mélanie, donc je suis directrice acquisition de talent pour Cascade. Enchantée. Bonjour, moi, c'est Amélie, chef de catégorie Business Development pour B2B chez Groupe. Bonjour, moi, c'est Julie, je suis chef marketing des comptes stratégiques pour le Groupe ici aussi dans le B2B. Bonjour, moi, c'est Annabelle, je suis chef de marque sur Cascade Profit. Enchantée. Bonjour, Julie Bouliane, coordonnatrice aux dons et commandites chez Cascade. Allô, moi, mon nom, c'est Jessica Ménard. Je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Enchantée. Allô, moi, c'est Laurence Aubé-Comeau. Je suis également rédactrice de cas et j'étudie également à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Enchantée. Jadis, le travail, c'était vu un peu comme une tâche, mais c'est plus comme ça maintenant. Encore moins quand on travaille chez Cascade. C'est aussi être acteur de changement. C'est une façon de faire des rencontres qui vont nous marquer pour la vie, mais également de mettre nos convictions et nos idées de l'avant. Donc tranquillement, le travail se fait remplacer par la passion. Et ça, ça mérite d'être vécu avant même de vivre. Ça mérite pas seulement d'être dit, mais d'être ressenti. Parce que les petits ruisseaux d'aujourd'hui vont faire les grandes cascades de demain. Et qu'est-ce qui se passe à 24 degrés? En fait, on est vraiment heureux d'être là aujourd'hui en tant qu'agence de communication créative. Et ce qu'on doit dire, c'est qu'on brasse des bonnes idées. On est vraiment fasciné par le processus de fabrication de la bière et on s'en est inspiré. Parce que quand on y pense, ce processus-là, il est à la fois précis, rigoureux, mais aussi créatif. On prend des ingrédients, on les met dans une cuve et tranquillement, ça refroidit. Ça refroidit. Ça refroidit jusqu'à un moment clé, jusqu'à 24 degrés. Où on ajoute la levure et ce qui fait que le produit va donner ce qui va être à la fin, ce goût de bière qu'on apprécie finalement. Et nous, on a décidé de s'en servir pour finalement faire notre mission. On comprend votre industrie, votre environnement. Et à 24 degrés précisément, on ajoute notre touche de créativité qui va faire lever le message pour les bonnes personnes. Et notre but, c'est de faire des stratégies de communication à goût unique. Donc, peu importe les défis, on est prêt pour la diversité de mandats. Et en parlant de diversité, c'est une des valeurs qui nous guide tellement chez 24 degrés. En fait, on aime la diversité d'idées, mais on est lié d'un maillage entre la créativité et l'analytique. Et nous aussi, on croit que le plein potentiel de notre talent est collectif. On est curieux. On n'aime pas s'arrêter à ce qu'on voit. On aime tester des choses, un peu comme un certain monsieur le maire qui jadis se mit dans son mélangeur, dans sa cuisine, du papier pour tester à en faire du papier en fibre recyclée. Et on a de l'audace, parce que la pression de nos fûts brise les barrières. Et comme avoir fondé une entreprise avant même que les valeurs soient celles d'aujourd'hui, entièrement vertes, on est fiers puis on veut aller plus loin. Comment on fait des campagnes durables finalement chez 24 degrés? Bien, on trouve vos saveurs uniques, votre parler vrai, votre cœur au ventre, votre respect de nature. On le mélange ensemble avec notre vision. Et finalement, on fermente le tout jusqu'au 24 degrés où on peut créer des campagnes qui vont être durables et s'immiscer dans le temps. Laissez-moi sans plus tarder nous présenter. Moi, c'est Lewis, je suis à la création. J'aime signer des campagnes créatives, mais surtout, ça devient plus facile avec des entreprises comme la vôtre. Je me présente, Cédric, à la stratégie. Moi, j'ai envie de comprendre l'environnement, voire même les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une bonne stratégie. Moi, c'est Anne-Sophie, au Média. Mon rôle, vraiment, c'est de s'assurer que le message qu'on veut passer va aux bonnes personnes, au bon moment et avec les bons médias. Et je me présente, Jonathan, je suis au service conseil. Moi, je vous aide vraiment à ajuster, dans le fond, votre stratégie avec les nôtres. Dans le fond, j'ajuste la température de vos idées pour s'assurer que bien, notre campagne répond à vos objectifs stratégiques. On va commencer. Aujourd'hui, le plan de match, c'est vraiment de montrer l'interprétation du mandat qu'on a reçu de votre part. Par la suite, ça va vraiment être d'analyser votre environnement dans lequel vous évoluez et on va finir en force avec notre grande idée. Donc, ce qui est à comprendre aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat, on l'a transformé en défi. Un défi de comprendre
votre entreprise et de répondre à vos besoins grâce à une campagne de communication marketing. Et pour répondre à ce défi-là, nous, chez 24 degrés, le processus est assez simple. On prend tous les ingrédients de votre environnement, on les brasse, on les fermente, puis on attend tranquillement et on attend que ça refroidisse pour atteindre le 24 degrés, notre quantité. Et ça part avec l'analyse. Pour commencer, on était tellement contents de travailler pour Cascade, non seulement parce que vos valeurs rejoignent les nôtres, mais aussi vous êtes une entreprise avec une richesse de votre histoire, une richesse dans vos propos, et ça tourne autour d'un principe au cœur de votre stratégie, qui est le principe de revalorisation. On a vraiment trouvé que c'était super intéressant tout au long de l'histoire, de votre bagage. C'est vraiment un concept qui est revenu à plusieurs fois. Tout d'abord dans l'origine, que ce soit pour la première usine qui a dû être achetée, revalorisée, tout est parti de là. Également dans le modèle d'affaires. C'est pas pour rien que vous êtes le plus grand acheteur de matières recyclées au Canada. Ça fait vraiment partie du modèle d'affaires d'acheter des matières, de les revaloriser pour ensuite en faire quelque chose qui va être distribué à des consommateurs. Et ça se transmet également dans l'humain. Oui, par votre fondateur, M. Le Maire, qui a dû se revaloriser lui-même, qui a décidé de faire des petits tests lui-même suite à la perte d'un emploi. Mais ça, c'est une valeur qui se transmet également à tous les cascadeurs, cascadeuses qui travaillent chez vous aujourd'hui, qui vont travailler dans le futur et qui se disent « je veux aller dans cette entreprise-là » parce que je trouve que c'est un beau but de revaloriser tout, de tout revaloriser simplement. Donc, de notre analyse, il est ressorti trois grands besoins qu'on veut garder en tête pour le reste de nos recommandations. Et puis, le premier, eh bien, c'est le contrôle des coûts. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement très compétitif. Oui, il y a de l'emballage de carton, mais également plusieurs autres matières comme le plastique, le polystyrène et ainsi de suite. Et ça met beaucoup de pression à la baisse sur les coûts. Et simplement, il faut être capable de gérer ces coûts-là, par exemple, en usine, il faut que ce soit efficace. Et donc ça passe également par une bonne main-d'œuvre qui est capable d'être efficace en usine. Un autre défi, est lié à l'emplacement. Donc, nécessairement, le recrutement est plus difficile quand c'est dans des régions éloignées ou dans des régions très compétitives. Donc, ça, c'est un autre point à garder en tête, surtout que vous avez plusieurs emplacements. Et finalement, le recrutement de personnel, ça, on l'a vu même dans votre rapport annuel, c'est considéré comme un de vos gros risques de recruter du personnel qualifié. Et ça s'explique tout à fait, en fait, parce qu'on peut voir dans l'environnement aussi. Donc maintenant, le marché de l'emploi, comme je viens de dire, c'est considéré comme un de vos risques, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le taux de chômage, oui, il y a eu une petite augmentation à cause de la pandémie, mais on revient à des taux extrêmement bas. Et en fait, on est même aux États-Unis, on est rendu à 4%. Proche du 4%, c'est vraiment considéré difficile d'aller plus bas que ça, parce qu'il y a tout le temps une partie de la population qui n'est pas employable de toute façon. Et ça, c'est le taux de chômage, mais également le taux de postes vacants qui ici a un double effet. Oui, il y a des postes vides, mais en plus, avec la reprise économique, on crée des nouveaux postes, mais qui sont quand même difficiles à combler. Donc ça, c'est vraiment un double effet ici, ce qui complique la chose. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut mettre l'employé de l'avant simplement. Si l'employé est content et productif, ben ça va se ressentir du côté du client. Le client qui était plus la priorité par le passé, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on comprend qu'on doit mettre l'expérience employée de l'avant, surtout par les besoins qu'on vient de voir. Donc ça, comment ça se traduit chez Cascade? On s'est intéressé un petit peu aux gens que vous voudriez recruter, par exemple. Et il y a deux grosses catégories qui sont ressorties. Par exemple, pour les études supérieures, donc le personnel qualifié sur ton bureau, on peut voir que le taux de chômage est extrêmement bas. Et comme on l'a vu plus tôt, c'est même pire aux États-Unis. Donc, on peut simplement assumer que c'est encore plus difficile là-bas. Mais il y a également les études postsecondaires, donc tout ce qui est certificat, qui est quand même un taux très, très bas. Donc, c'est un élément à garder en tête, surtout pour le recrutement en usine. Parlant d'usine, dans le fond, il y a un double effet ici qui peut compliquer la chose. Surtout dans des bureaux éloignés parce qu'il y a un plus petit bassin de population. Donc, c'est plus compliqué de recruter nécessairement. Mais à l'inverse, pour les emplacements qui sont dans des secteurs plus compétitifs, dans des quartiers industriels où il y a beaucoup d'entreprises, ben là, c'est vraiment une compétition pour recruter les talents, surtout quand les conditions de travail sont semblables. Donc, il va falloir penser à d'autres stratégies pour justement aller pallier à ça. Il y a également sur le marché de l'emploi quatre paramètres à considérer. Premièrement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On vit vraiment une pénurie de talent présentement. Premièrement, il y a une population qui est assez vieillissante. Donc, on a vu avec la pandémie, les 55 ans sont soit qu'ils prennent leur retraite un peu plus tôt, ils décident simplement de ne pas retourner sur le marché du travail dû aux mesures sanitaires, mais les besoins en talent sont quand même croissants sur le marché de l'emploi. Aussi, on a vu la relation de pouvoir a beaucoup changé. Avant, l'employeur avait beaucoup l'opportunité d'avoir le pouvoir entre les mains, mais maintenant, c'est beaucoup l'employé qui a le choix, puis il fait beaucoup des choix pour lui maintenant.
On a vu aussi que les attentes des générations sont différentes. On voit 4 générations sur le marché de l'emploi présentement. C'est autant difficile au niveau du recrutement, mais au sein de l'entreprise aussi à gérer. Puis, on l'a vu sur le marché de l'emploi, il y a une concurrence assez féroce sur le marché, donc il faut être vraiment capable de se démarquer. On a vu aussi une tendance qui est mondiale, soit la grande démission. La grande démission, ce qui est arrivé aux États-Unis d'avril à septembre 2021, c'est plus de 24 millions des gens aux États-Unis qui ont quitté leurs emplois, soit pour une question de salaire, leur bien-être, ou même pour la possibilité d'avancement. Ils voulaient vraiment remettre de l'avant ce qui était vraiment au cœur d'eux-mêmes, puis d'aller chercher un emploi qui les représentait vraiment. Aussi, ça fait en sorte qu'on a besoin d'une bonne gestion du changement dans une entreprise. Il faut être à l'écoute de nos employés, mais aussi à l'écoute de leurs besoins, puis leur mentionner qu'on va être fidèle avec eux, puis on va leur donner une possibilité d'avancer au sein de l'entreprise. Donc, suite à nos analyses du marché, on a été vraiment curieux, puis on est allé voir c'est qui les cascadeurs potentiels. Avant ça, on avait quand même 2 paramètres à prendre en considération. On l'a vu avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé, mais non seulement aussi l'emploi que les gens ont décidé d'avoir. On a regardé aussi qu'il y avait 4 générations sur le marché, mais que la population active qui allait sur le marché plus tard était vraiment la prochaine génération, soit les 16 à 24 ans. On a vu également que d'ici 2025, 50% de la génération Z allait représenter la population active. Donc ça veut dire qu'ils vont être en recherche d'emploi ou qu'ils ont un emploi étudiant présentement. Donc c'est super intéressant d'aller les fidéliser et les garder à long terme au sein de votre entreprise. Pour nous, les cascadeurs de demain, on les a appelés les réalistes. C'est qui les réalistes? C'est les 16 à 24 ans, il y en a 20 millions aux États-Unis et 7 millions au Canada. C'est qui les réalistes, les cascadeurs de demain? Ils misent sur la collaboration. Ils sont vraiment soucieux également de leur environnement puis de leur futur. Ils sont prudents et réalistes. Bien sûr, avec tout ce qu'on a vécu dans le passé, ils font des choix qui sont vraiment pour eux, mais aussi pour leur communauté. On a vu également qu'au sein de l'entreprise, 60% d'entre eux veulent contribuer à changer le monde quotidiennement dans l'entreprise, mais dans leur vie également. Ils ont une fibre entrepreneuriale super énorme. Ils veulent pouvoir partager leurs idées et créer avec vous le monde de demain. Ils sont également axés sur la communauté. La responsabilité sociale de l'entreprise est super importante pour eux. Ils le considèrent tout le temps dans leur choix. Puis finalement, leur motivateur, oui, bien sûr, il y a le salaire qui est un facteur de gêne super important de base, mais maintenant, c'est vraiment plus que ça. Ils veulent vraiment avoir la possibilité d'évoluer avec vous, mais pour eux également. Et donc, comment on fait pour communiquer, pour les attirer vers nous? Premièrement, il faut offrir une souplesse, un équilibre vie-travail est super important pour eux. Il faut être également leur montrer qu'ils peuvent contribuer au progrès, mais aussi aux résultats de l'entreprise. Il faut leur montrer aussi qu'il y a une possibilité d'avancer puis qu'ils peuvent être créatifs avec vous dans l'entreprise. Puis, il faut commencer à planifier leur avenir dès maintenant. Il faut arriver vers eux sans même qu'ils sachent qu'on est là. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les employeurs doivent communiquer une flexibilité, se soucier du bien-être de leurs employés, de la réussite également de ceux-ci, puis d'avoir un équilibre qui est vie-travail. Mais comment on fait ça? Le message est super important à être bien véhiculé. Il faut faire vivre ce contenu-là. Premièrement, en misant sur la vidéo, on a vu que les réalistes passent 80% de leur temps sur YouTube. Donc, ils ont une soif de découverte, ils aiment ça vivre des expériences à travers la vidéo. Il faut également avoir du contenu qui est vendeur, donc il faut vendre des expériences, il faut leur montrer aussi qu'on est authentique, qu'on a 6 secondes seulement pour capter leur attention puisqu'il y a plein de contenu. Donc, il faut que notre contenu soit unique, marquant et qui fait vivre une expérience. Et pour propulser ce message-là, la solution, c'est la marque employeur. Pourquoi chez Cascade, vous pouvez vous le permettre? Parce que vous offrez les conditions de base. Au niveau de la rémunération directe, vous avez des salaires très compétitifs, les avantages sociaux, les partages de profits, qui est une initiative super intéressante. Et au niveau de la rémunération indirecte, vous avez les avantages sociaux. Vous avez le programme d'aide aux employés. Donc, la question se pose, sur quoi peut-on capitaliser? Et c'est la fameuse marque employée. Mais pourquoi c'est important une bonne marque employée? On le sait, sur le marché, le plus grand obstacle pour les candidats qui postulent pour un emploi, c'est de ne pas connaître la réalité dans laquelle ils s'embarquent. C'est la marque employeur qui va vraiment aider à un futur employeur de connaître et d'avoir une impression de savoir dans quelle réalité il s'embarque. Et ça crée des écarts de perception aussi. Quand on a une marque employeur qui est plutôt faible, on n'a pas l'impression de connaître dans quoi on s'embarque. 19% affirment qu'il y a une concordance et non une disconcordance entre ce qui est dit et la réalité. Donc seulement 1 employé sur 5 croit que c'est la vraie chose qu'on se fait communiquer. Et quand on vient améliorer notre marque employeur, on a 3 employés sur 4 sont maintenant susceptibles de recommander cette marque-là à l'employeur, créer une opinion favorable, créer du bouche à oreille, améliorer le recrutement, etc.
Au final, la marque employeur, c'est un engagement. C'est une promesse que vous, Cascade, dites à vos potentiels cascadeurs. Venez travailler chez Cascade, ça va être ça. Ça va être comme ça, puis on le communique de la façon. Quand ils vont venir chez vous maintenant, ça va être comme ça qu'ils vont le vivre. Ça va fidéliser davantage les cascadeurs potentiels. Parce qu'on est curieux, on est d'aller voir quelques campagnes de marque employeur pour se donner des idées. On a AIM ici avec le slogan « Es-tu forgé pour AIM? » AIM, c'est des travailleurs de matériaux recyclés. C'est très lourd comme travail. Donc, ils se sont vraiment concentrés sur améliorer la fierté de l'emploi et mettre l'individu au milieu des vidéos et des médias qu'ils utilisaient. Par la suite, on a la campagne de Cabico. Cabico, eux, c'est le même principe. C'est du travail d'usine surtout. Il y a quand même du travail d'administration, mais ils ont misé sur la culture de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour Cabico? C'est quoi? Comment tu vas te sentir à travailler Cabico? Et puis le dernier, on a Exceldor qui, eux, sont vraiment avec la fierté entre nos mains. Ça le dit très clairement. C'est la fierté sur laquelle ils sont basés. Et puis, ils voulaient vraiment valoriser le dur métier de transformateur de volaire pour vraiment aller chercher ces gens-là et les fidéliser à la marque. De ces campagnes-là, mais également des autres campagnes qu'on a vues sur le marché qui se sont faites par le passé, il y a deux éléments qui ressortent à chaque fois. D'un côté, il y a l'unicité et la culture, donc vraiment comment l'entreprise se distingue par sa marque employeur, comment elle va vraiment attirer l'attention par les valeurs qu'elle émet. Et de l'autre côté, eh bien, il y a la fierté associée à l'emploi. Soit parce que c'est un travail extrêmement difficile avec AIM, que c'est des gens qui ont de la misère à finir leurs chiffres parfois, donc il faut vraiment comprendre et valoriser ces gens-là parce qu'ils sont fiers et donc c'est vraiment la fierté de l'emploi qui vont les garder en fait. Ils vont continuer à faire ça pour eux parce qu'ils sentent que c'est pas tout le monde qui serait capable, ainsi de suite. Donc là, ça, c'est vraiment deux éléments, mais Cascade pourrait tout à fait se positionner au milieu de tout ça. Par la revalorisation, les gens sont fiers de contribuer à revaloriser des matières premières, ils sont fiers de contribuer à ce qu'ils font, à ce qui est mis sur le marché, mais également par les valeurs qui sont mises de l'avant, simplement parce que le modèle d'affaires, tout ce qui est par rapport à Cascade et par rapport à la revalorisation, bien, ça, c'est une super belle culture qu'il faut mettre de l'avant, et ça, Cascade peut vraiment se permettre d'être au milieu de tout ça. Par contre, là, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a un espace, un gap, si je pourrais me dire. Et ça se ressent même dans la perception actuelle sur les marchés. Écoutez, c'est rien de scientifique, mais on s'est intéressé un peu à ce que les gens autour de nous percevaient de votre marque employeur plus particulièrement. Puis c'est sûr qu'il y a un côté plus traditionnel qui est ressorti. Puis ça, on peut le comprendre parce que vous avez un historique très, très fort au Québec. Mais les nouvelles générations sont peut-être un petit peu moins exposées à cet historique-là. Donc, c'est plus traditionnel. Donc là, il faut vraiment trouver le moyen de communiquer les super belles valeurs qui viennent rejoindre les générations plus jeunes, de par la revalorisation particulièrement. Et donc, ce qu'il faut garder en tête essentiellement, c'est l'expérience employée. L'employé, parce qu'on l'a vu, c'est une ressource rare, très rare en fait, même actuellement. Et si l'employé performe, bien nécessairement, le client va en profiter. Mais l'autre mot-clé, c'est vraiment l'expérience. L'expérience, c'est la meilleure preuve qu'il n'y a pas. Surtout s'il y a un écart entre ce que la personne perçoit et ce qu'elle va faire en entreprise, bien, si elle a le sentiment qu'elle est en train de vivre un peu ce qui se passe dans l'entreprise, bien, c'est là qu'elle va être capable de se dire « OK, il n'y a pas un écart, je vais faire confiance et je vais aller de l'avant avec l'entreprise. » Donc, c'est le moment. On est maintenant à 24 degrés et on aimerait vous partager notre idée. En fait, signer Cascade. D'abord, j'aimerais qu'on pense au phénomène d'une signature, c'est quoi? C'est très intrinsèque, une signature. Ça part de nous et ça vient dire qu'on acquiesce à ce qui va se passer. Avec cette idée-là, on vient créer un pont entre les cascadeurs actuels et ceux de demain. Parce qu'ils sont en train de dire qu'ils acquiescent à être ce qu'ils sont, ils sont fiers de l'être. Et de ce fait, on met carrément de l'avant leur expérience à eux. C'est un changement de paradigme dans la façon qu'on le fait. Autrement, les marques qui s'affichent parlent de eux, mais cette fois-ci, c'est les employés qui vont parler de leur marque et dire pourquoi ils sont fiers, mais intrinsèquement parce que c'est une signature, c'est pas juste des paroles. Et comment on veut vraiment le faire? Mais d'abord, c'est qu'avec cette façon-là, les nouvelles générations, ils veulent être acteurs de changement. Ils ne veulent pas seulement avoir un emploi. Donc, Signer Cascade vient les rejoindre, vient faire de eux un ambassadeur, mais pour ceux à l'interne aussi. Donc, on vient les mobiliser. Puis finalement, on vient revaloriser l'expérience employée qu'on a réussi à avoir déjà à l'interne, qui est super le fun et très forte. Donc, ce qu'on vient faire, c'est raconter l'histoire riche que vous avez, mais d'une manière différente à la nouvelle génération. Et là, avant de se quitter, on voulait vous laisser sur quelques pistes d'inspiration sur la manière qu'on pourrait appliquer le fameux Signer Cascade. Donc d'abord, communiquer à ce que les cascadeurs prennent part actuellement des faits de leur quotidien dont ils sont fiers, ce pourquoi ils vont travailler. Mais au lieu de simplement le communiquer, c'est signé par eux, c'est signé Cascade, ils endossent ce phénomène-là. Ensuite, on pourrait aussi partager du contenu. Je vous rappelle que l'expérience demeure la clé
Et si on part d'un cascadeur, par exemple, qui envoie une lettre réutilisable, compostable, on s'entend, on va faire des trucs durables, et qu'il envoie un nouveau cascadeur, et bien encore là, il s'en interpelle, il comprend la réalité que c'est de travailler dans cet endroit-là, et on vient briser ce paradigme de c'est seulement l'entreprise qui communique. Non, c'est signé cascadeur. Et pour terminer, on est audacieux, on aimerait ça activer également. Donc par exemple, dans un musée immersif, on raconte l'histoire riche, je vous ai dit, d'une façon différente pour vraiment vivre l'expérience. Et ça, ça nous permet de briser les barrières, briser la perception qui existe. Donc les cascadeurs de demain nous inspirent, mais signer votre campagne pour ceci nous inspire encore plus. Donc on espère collaborer avec vous. Nous sommes prêts à prendre vos questions. Donc la période des questions de 5 minutes est limitée. Je vais commencer. Ma question est sur, vous avez parlé beaucoup de marque employeur, c'est bon, comment on communique. La différence, vous avez parlé des États-Unis et du Canada, est-ce que vous voyez une différenciation entre la façon d'aborder les deux marchés ou pour vous c'est une marque employeur pour des... Définitivement, il y a une différence, particulièrement, je dirais, Québec et hors Québec, si je peux me permettre. Comme l'histoire de Cascade est très, très riche au Québec, et même par le nom, on peut comprendre que c'est une entreprise québécoise. Donc, c'est sûr qu'on peut miser un petit peu plus pour, sur cette histoire-là de communiquer les valeurs. Tandis qu'ailleurs, hors Québec, aux États-Unis, par exemple, là, c'est vraiment plutôt les valeurs. Les valeurs sont là depuis longtemps, elles sont bien assises. Mais par contre, ça va être important de les communiquer aux bonnes générations, vraiment les gens qui vont se sentir interpellés. Donc oui, définitivement, il y a une différence, mais je dirais plus au niveau culture francophone et culture anglophone qu'il y a une différence. Je vais vous poser une question. Moi, c'est pas sur le sujet de la présentation que vous avez fait. Vous m'avez vraiment convaincu que vous comprenez bien la marque employeur. C'est une question de curiosité. Êtes-vous allé voir les offres d'emploi? Ouais. Je pensais oui. On est allé voir les offres d'emploi, en effet, surtout des compétiteurs. Et c'est vraiment, on s'est concentré pour la compétition au niveau de l'emploi et non de l'entreprise, l'industrie en tant que telle. Parce que l'emploi en usine ou en administration, Cascade l'offre, autant qu'Excel d'or, IM, des trucs comme ça. Puis on a réalisé qu'au niveau des salaires, c'était très compétitif, Cascade. Il y en avait d'autres, justement, qui avaient peut-être un meilleur salaire, mais vous compensiez avec votre partage de profit, par exemple. Donc, oui, on est allé voir le titre d'emploi, on est allé voir même les avis sur LinkedIn, Indeed et tout. Puis il y avait autant des commentaires qui revenaient un peu à notre sondage qu'on a fait là, avec les perceptions aujourd'hui. Il y avait autant de beaux commentaires que ces mêmes commentaires-là se retrouvaient de l'autre bord en tant que tel. Fait que c'est pour ça que notre campagne se base là-dessus. J'ai une question. En fait, j'aimerais ça savoir, vous avez axé sur la marque employeur. Comment vous voyez cet élément-là à travers les différentes branches de Cascade? Parce que Cascade, c'est pas juste un axe, il y a plusieurs axes. Là. Comment vous voyez ça? Donc, ce qui est le fun avec l'élément signé Cascade, c'est pas restrictif à la marque employeur parce que être ambassadeur d'un produit, ça fonctionne très bien. Donc, on peut réappliquer le même concept pour signifier qu'on est fier de faire ces produits-là de la façon qu'ils sont faits au niveau de signé Cascadeur. Donc, on s'est intéressé aussi à cette dimension-là. Pour les bienfaits aussi, on l'a appliqué dans une marque employeur, mais si l'employé est mobilisé, fier de faire son travail, les répercussions sont aussi commerciales. Donc, c'est une campagne qui se décline facilement dans le cas où on veut remettre un produit de l'avant, remettre une marque de l'avant. On peut l'appliquer encore, c'est signé Cascade au lieu de signé Cascadeur. Et la base reste la même, c'est l'expérience qui permet de propulser l'entreprise. Je veux juste savoir si vous voyez une différence dans votre stratégie de la manière de l'apporter ou de venir rejoindre peut-être plus les gens, tout dépendant du poste qui va être demandé. T'sais, là, vous avez vu les postes d'emploi, il y a autant de bureaux que d'usines. Est-ce que la campagne va toucher les deux de la même façon ou est-ce que je veux juste savoir comment vous pensez peut-être de venir rejoindre chacun différemment? C'est ça qui est fait avec notre campagne, elle se décline super bien. Signé Cascadeur, je peux autant l'appliquer en montrant en étant dans l'usine, mais je peux me montrer aussi en étant dans un bureau et ça se décline super bien. Je peux être fière autant en faisant partie du processus de la chaîne de production, mais je suis autant importante si je fais partie du bureau administratif. Donc, c'est ça qui est le fun, les réalistes vont pouvoir se retrouver autant dans une usine que dans un côté administratif. J'aurais une autre question. Je fais du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Dans une optique où on se rend compte que nos profils de travailleurs en usine ne consultent pas du tout les médias sociaux,
si on veut recruter la nouvelle génération, j'espère, qui sont tous sur les médias sociaux, mais le profil de nos gens d'usine sont un petit peu moins branchés. Oui, tout à fait. Donc, quand on a débuté, on a pris en considération les quatre générations et puis on a vu que celle qui arrivait, c'était la Z, donc on s'est concentré particulièrement à eux au niveau d'acquisition. Par contre, on a conservé des méthodes d'affichage telles que… En fait, on a conservé des méthodes d'affichage plus traditionnelles dans le début de la campagne. Là où ça change, c'est surtout vers la fin parce qu'on veut raconter une histoire différemment. C'est très bien fait actuellement de votre côté, cette histoire-là sur le site web, les vidéos. Mais pour les jeunes, il faut le faire à niveau expérience. Donc, les premiers éléments de la campagne sont beaucoup plus traditionnels. Dans des secteurs d'usines, on peut très bien changer la signalisation pour dire que c'est Ciné Cascade ici. Puis, les gens peuvent se diriger vers ces usines-là parce qu'on pense à des quartiers où la compétition est très forte. Donc, tout à fait, on conserve des méthodes traditionnelles et numériques aussi. La période est maintenant terminée. Merci.
Donc, est-ce que vous désirez avoir les instructions en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je ferai des comptes avec mes doigts pour les 10 dernières secondes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question. Et veuillez noter que dans aucun cas, vous pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez débuter votre présentation. Oh, excusez-moi. Moi, c'est Mélanie, je suis directrice acquisition de talent pour Cascade. Enchantée. Bonjour, moi, c'est Amélie, chef de catégorie B2B, Gourtissieux. Bonjour, moi, c'est Julie, je suis chef marketing compte stratégique pour le Gourtissieux dans le B2B. Bonjour, moi, c'est Annabelle, je suis chef de marque sur Cascade Club. Bonjour, Julie Brouillane, je suis coordonnatrice au don et commandite. Allô, mon nom c'est Jessica Ménard, je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, moi c'est Laurence Aubé-Comeau, je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en marketing. Je peux débuter. Cascade, c'est qui? C'est quoi? C'est une entreprise éco-responsable qui se démarque par son développement durable. Oui, mais c'est encore bien plus pour nous, parce que vous êtes une entreprise qui est engagée envers la communauté, qui a le bien-être de l'être humain comme valeur numéro un, mais aussi parce que vous êtes une famille. Et bien, après avoir fait l'analyse de votre entreprise, mon équipe et moi, on avait le goût de venir travailler pour vous. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire différent et vous inviter à vous joindre à notre famille à nous, la famille Emotion. Parce qu'ensemble, nous vivrons un marketing humanisé. Notre mission est bien simple, c'est de créer l'émotion qui sera mémorable chez votre consommateur. Vous le faites déjà très bien avec le partenariat que vous faites avec le Musée de la civilisation pour l'exposition au Mail. Vous faites clairement vivre une émotion au consommateur qui va se souvenir de vous. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de nos solutions qu'on vous propose, de l'analyse de votre entreprise et aussi ce qu'on va dégager par les membres de notre équipe. Comme le marketing mix, nos valeurs sont basées sur 4 P. Donc, soit la proximité, la proactivité, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et surtout parce qu'on est persévérant, peu importe les embûches qu'on rencontre. Donc, avec toute agence, on a une équipe en arrière de ça. Je suis fière de vous présenter ma deuxième famille à moi, l'équipe Emotion. Bonjour, je me présente Léa. Je suis la gestionnaire de marque chez Emotion. Je m'assure que votre marque se décline sur toutes les plateformes possibles au bon moment et s'assurer que votre image de marque soit à un bon fil conducteur. Bonjour, je suis Nicolas, votre directeur de projet aujourd'hui. Directeur des opérations, pardonnez-moi. Je vais m'occuper que vous ayez un bon budget, une bonne implantation. Je suis le cartésien, mais j'ai quand même des émotions. Bonjour, je suis David, je suis le stratège marketing. Je vais être en charge de vous trouver la stratégie la plus performante, la plus efficace pour trouver qui sont les cascadeurs de demain. Et je me présente, Catherine, je suis en charge, je suis l'experte en fait en création. C'est toujours moi souvent qui sort les idées les plus pétillantes, donc c'est ce que je vais essayer d'apporter aujourd'hui. Ici à l'agence, on a trois grandes spécialisations. Tout d'abord, on a l'expérience numérique. On sait que c'est vraiment l'avenir sur les plateformes et tous les réseaux. Donc on va vraiment mettre ça de l'avant dans nos stratégies aujourd'hui. On a une grande spécialisation aussi en marketing B2B. Ça, on sait vraiment que ça l'aide beaucoup et ça facilite le travail de vos forces de vente dans ce qu'on œuvre en marketing B2B. Et finalement, on a la marque employeur. On s'assure de faire rayonner votre marque sur toutes les plateformes au bon moment. Mais là, à ce moment qu'on a compris, qui étiez-vous, Cascade? On aimerait ça vous expliquer aussi qui sommes-nous, Emotion, plus précisément, pour, quand on va travailler ensemble, de voir vraiment que vous sachiez à qui vous avez affaire. Emotion, c'est quoi? Le I, c'est vraiment pour tout ce qui est numérique. Tout ce qui est les plateformes et les réseaux, on s'assure d'être là au bon moment. Le motion, c'est vraiment pour tout ce qui est mouvement. Le marketing, c'est en constante amélioration, en constant progrès. On s'assure d'être là au bon moment et de bien répondre au progrès. Et le emotion pour émotion en français. On s'assure vraiment de faire un marketing humanisé, chose qui est beaucoup plus marquante qu'un marketing traditionnel. On s'assure vraiment de faire vivre des émotions et c'est pourquoi c'est au cœur de toutes nos stratégies. Ça marque les images back.
Mais là, comment on a fait pour comprendre qui étiez-vous? On a analysé au début qui étiez-vous en premier lieu pour par la suite vous situer dans votre milieu. Par la suite, ça nous a permis de comprendre quel sera le futur pour vous, ce qu'on va vous présenter, et finalement de vous offrir les solutions Emotion, peu importe le mandat, qui sont déjà prêtes juste pour vous. Donc, débutons sans plus tarder en regardant qui êtes-vous, Cascade. On a fait une courte analyse pertinente de votre situation et de vos produits pour débuter. Vous avez dans le papier tissu, dans les produits d'emballage et spécialisés, et vous offrez aussi des services. On peut penser à votre équipe CS+, spécialisée dans le développement durable, et aussi le transport et la récupération. Donc, on a fait une analyse de interne de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Il y a vraiment des points qui nous ont marqués fortement. On peut débuter avec votre forte icône de marque, le fameux petit lapin, pour votre papier tissu. Donc, il est bien connu, on va pouvoir bâtir là-dessus pour les clients. En second lieu, vous avez un grand réseau en Amérique du Nord. On peut penser au développement du projet de Bear Islands, une usine complètement dédiée. C'est complètement génial. Il continue de grandir votre réseau. On peut penser aussi à l'Europe. Et dans un troisième temps, on l'a dit au début, Cascade, c'est une histoire de famille. Ça vient nous chercher, ça vient vous chercher vos employés. Votre engagement, vos succès auprès des employés nous a marqués. À travers notre analyse, on a trouvé deux points particulièrement marquants. C'est vos distinctions. Vous êtes dans le top 100 des meilleurs employeurs au Canada, ce qui est une belle distinction pour aller chercher de nouveaux employés et pour garder ceux que vous avez déjà. Et vous êtes la 18e entreprise la plus durable au monde sur 7000 entreprises. C'est très gros et vous êtes première dans la catégorie emballage. Encore une fois, félicitations. Donc, maintenant que nous avons ciblé qui vous étiez en fait, on va vous présenter où vous vous situez. On a débuté avec une analyse des différents concurrents. On a analysé en premier lieu le papier tissu. Donc, on voit les trois principaux en fait qu'on a pu remarquer. On les a basés sur les critères en fait de la qualité, du prix et puis bien entendu le côté éco-responsable des différents produits. Donc, on peut voir PNG avec une très grande qualité, des prix qui sont abordables, mais un petit peu moins éco-responsables que vous. Donc, ça vous donne un avantage concurrentiel à ce niveau-là. On a les différentes marques génériques. On peut penser à Loblaws, Kirkland, à Metro avec Sélection. Ici, on a une moins bonne qualité, mais des prix qui sont très abordables, là où ils viennent chercher un petit supplément de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins abordable que vos produits, donc vous avez encore un avantage concurrentiel là. Et puis, on a Kroger, qui a vraiment une grande qualité, des produits qui sont un petit peu plus dispendieux. Mais encore une fois, au niveau de l'éco-responsabilité, on est un petit peu en dessous. Pour la suite des choses, on a analysé les différents produits d'emballage et produits spécialisés. On peut voir Amcor ici qui offre en fait une grande offre de produits et également une simplicité d'achat. Donc, c'est vraiment un avantage de leur côté. Mais ils ont un peu moins de personnalisation, mais ils sont bons en délai. On peut voir par la suite The International Paper Company qui font dans l'emballage. C'est la plus grande compagnie au monde en fait d'emballage en première place. Ils ont une très bonne diversification de produits, mais ils sont encore une fois moins bons que vous en DD, donc c'est vraiment un avantage concurrentiel pour vous. Et on peut voir Westrock qui offre des produits spécialisés, des produits personnalisés. Ça vous ressemble beaucoup dans l'offre. Et encore une fois, un petit peu moins bon en DD que vous. Ici, à l'agence, on trouve très, très important d'analyser votre identité de marque et sa déclinaison sur toutes les plateformes pour par la suite mieux vous offrir des bonnes stratégies. Pour ce qui est de Cascade, la perception que nous avons de votre identité, c'est que c'est une entreprise qui est très, très engagée. Autant dans le développement durable, dans la communauté, que vraiment envers vos employés. Vous rayonnez, clairement, c'est une de vos grandes forces d'être impliqué et d'être présent et d'avoir une image très, très responsable. Votre buzzword utilisé le plus précisément va être « La vie chez Cascade est source de possibilités ». C'est comme ça qu'on vous reconnaît et qu'on vous distingue. Pour votre identité de marque, pour ce qui est Cascade Fluff & Tough, c'est vraiment un axe émotionnel qu'ils utilisent vraiment avec le réconfort, la famille, vous êtes présent, peu importe la situation. Comme la mélodie marquante qui nous vient en tête, notamment avec avec la publicité sur les sauces piquantes, le fameux « Ouh, yeah, yeah, yeah », on l'oublie pas, on la garde dans nos têtes, c'est vraiment une de vos grandes forces chez vous. Le buzzword utilisé est Cascade Fluff & Tough sur toutes vos plateformes. Maintenant, comment ces marques se déclinent sur Facebook? Nous avons tout d'abord, pour Cascade, une marque très, très active sur les réseaux sociaux. Cette plateforme, vous l'utilisez principalement pour votre recrutement, puis c'est vraiment accessible pour tous les gens qui consultent votre page. C'est une grande force. Pour la page Fluff & Tough, elle fait beaucoup d'activation marketing. Présentement, vous avez un concours avec Le Germain qui s'échelonne jusqu'au 6 avril, et c'est une grande force puisque vous récoltez beaucoup de données clients grâce à ça. Maintenant, au niveau de la création, que ce soit sur Facebook ou sur toutes vos autres plateformes, ce qui est super intéressant chez vous, puis ce qu'on a remarqué, c'est que vous avez une belle image de marque et une ligne conductrice parce que vos publications sont uniformes, que ce soit par la couleur que vous mettez sur vos publications ou encore les images que vous y mettez, que ce soit les cascadeurs,
les partenaires que vous avez ou encore les entreprises avec qui vous faites affaire. C'est super intéressant. Puis ça, on va essayer d'aller l'exploiter encore plus. Vous avez aussi un contenu, là, comme j'ai mentionné, qui est coloré et pétillant, ce qui attire toujours plus l'œil du consommateur qui va aller voir vos pages. Pour ce qui est maintenant de YouTube, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, vous êtes plus actif depuis 5 mois sur le contenu organique. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, puis vous êtes très, très axé produits et développement durable dans vos vidéos. Pour la page Fluff & Tough, c'est tout ce qui est familial, notamment des bricolages, des DIY et toutes des recettes pour intéresser la famille et réutiliser vos produits. C'est une grande force d'être les seuls à faire ça. Au niveau de la création, oui, encore une fois, vous avez la ligne conductrice de votre image de marque avec vos couleurs, mais aussi ce qui vous démarque sur YouTube, c'est qu'on retrouve vos vidéos très professionnelles. Donc, vos vidéos souvent sont courtes, mais ils ont un message là-dedans, donc c'est facile de comprendre votre message après avoir analysé plusieurs de vos vidéos aujourd'hui. Ce qui est aussi très intéressant, oui, ça fait peut-être 5 mois que vous n'avez pas été actif sur votre page YouTube, il y a sûrement une raison. Par contre, lorsqu'on va voir, par exemple, sur votre site Internet, sur votre page Facebook, qu'on consulte, en fait, Cascade, on voit dans le fil d'actualité ressortir la vidéo Cascade dans les premières vidéos. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va vouloir aller exploiter parce que vous faites de la publicité sur YouTube. Pour ce qui est de Instagram, troisième plus grand moteur de recherche au monde, vous êtes très, très actif. Notamment, vous publiez au niveau de l'éducation avec vos sections « Le saviez-vous ». Vous êtes vraiment très, très axé reconnaissance employée. On a pu voir passer votre gala de reconnaissance hier pour vos cascadeurs. C'est une grande force. Et finalement, vous êtes très, très engagé dans la communauté. Pour la page de Fluff & Tough, c'est plus axé familial, justement, avec le réconfort de la famille et des slogans et plusieurs catchy words. Au niveau d'Instagram, pour ce qui est de la création, ce qui est le fun de voir, c'est que dès qu'on ouvre votre page Instagram, on voit un peu où sont vos valeurs, c'est quoi vos priorités, que ce soit par votre descriptif qu'on voit qu'il y a des petits icônes de développement durable, donc déjà on voit que vous êtes soucieux de l'environnement, ou encore de toutes vos images qu'il y a les mains dans la main, donc on montre vraiment que vous avez un engagement envers vos employés, les cascadeurs ou encore les partenaires avec qui vous faites affaire, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant et encore une fois qu'on va vouloir aller exploiter lors de notre stratégie. Pour ce qui est de LinkedIn, quatrième et dernier moteur que nous avons analysé, qui est le moteur principal pour le recrutement. Vous êtes actif, c'est une de vos grandes forces. Vous avez publié une vidéo il y a un mois pour essayer d'attirer le plus possible la main-d'œuvre. Et vous avez des offres assez fréquentes, donc c'est très, très intéressant pour les candidats potentiels. Au niveau de la création, pour LinkedIn, comme ma collègue l'a dit, c'est un moteur de recherche pour aller chercher pour le recrutement qui est très performant. Donc, vous avez beaucoup d'abonnés. C'est sûr qu'on veut aller exploiter ça parce que c'est une page qui est justement, vous êtes actif, vous faites beaucoup de publications, que ce soit des vidéos de recrutement, des publications tout simplement de recrutement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir aller chercher s'il faut aller recruter des cascadeurs et des cascadeuses. Pour ce qui est des concurrents, on a vraiment en fait analysé votre situation à vous sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn, mais on voulait aller aussi vous savoir où se positionner vos concurrents pour vraiment vous offrir une solution qui était plus adéquate. Donc, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram, PNG ressort comme l'un des plus grands concurrents. C'est lui qui a un bon nombre d'abonnés, il est très actif puis ils font aussi beaucoup de publications. Toutefois, ce qu'on a remarqué, selon notre opinion, c'est que leur diversité de publications, il y a beaucoup de couleurs. Des fois, c'est difficile de les reconnaître directement quand on voit des publications. Puis, il y a beaucoup de déclinaisons de pages. Donc, c'est difficile de savoir c'est quoi la page principale de PNG. Contrairement à vous, on écrit Cascade, on tombe sur vous, ce qui est super intéressant. Puis, pour ce qui est de LinkedIn, c'est vraiment International Paper Company qui a un très, très bon nombre d'abonnés puis qui est très actif sur cette plateforme. À la lumière de votre analyse sur les médias et de celle de vos concurrents, aujourd'hui, on va vraiment mieux capitaliser sur vos forces et ce qui vous distingue. Premièrement, la reconnaissance employée, vos tactiques d'activation et finalement l'image symbolique familiale que vous dégagez. On va en reparler plus tard au niveau de nos solutions offertes. On a analysé la situation de Cascade à l'interne. On vous a positionné avec mes collègues qui l'ont très bien fait. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe pour le futur pour vous, Cascade. Certaines tendances qu'on a pu déceler, des faits saillants externes, comme on les appelle, chez eMotion. Le développement durable, ça va permettre de se démarquer auprès des consommateurs, des compétiteurs aussi. Parce que vous êtes très fort sur cet aspect-là. Je l'ai nommé au début avec Bear Islands. C'est quelque chose qui va faire votre force. Et c'est une belle opportunité, surtout en 2022. On le sait tous très bien. Du côté de la logistique pandémique, comme on l'appelait aujourd'hui, chez eMotion, il faut rassurer vos clients B2B. On sait qu'avec la pandémie, plusieurs problèmes de logistique dans la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde ont eu lieu. Il faut rassurer vos clients, vos forces de vente aussi pour ce côté-là. Et finalement, dernier mais non le moindre, les techniques de recrutement modernes qui vont permettre de vous démarquer à côté de la compétition et de limiter les points de friction durant le recrutement. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment partout au Québec et à beaucoup d'endroits dans le monde aussi à cause de la pandémie, exacerbée par la pandémie surtout.
Donc, il va falloir se démarquer de ce côté-là. Et on l'a dit au début, vous avez une bonne force avec vos employés, il va falloir l'utiliser. Ici, on a fait un certain positionnement avec les différents compétiteurs qu'on a analysés plus tôt. On peut voir les deux axes, en fait, donc soit le fort souci d'aider et bien entendu la marque employeur forte, donc vraiment vous placer au niveau de vos compétiteurs. On peut voir que vous vous retrouvez en fait dans le coin en haut à droite. Ce que nous voulons faire en fait, ce n'est pas de vous déplacer, c'est simplement de montrer aux gens quel est votre positionnement, que les gens apprennent, que, en fait que les cascadeurs de demain sachent que vous êtes très bon en aider, que vous avez une marque employeur forte et que vous avez quelque chose de plus à leur offrir. Et maintenant, vous vous demandez qui sont vos cascadeurs de demain? Eh bien, ce sont la génération Z pour commencer. Génération Z, c'est 25 ans et moins, c'est moi-même et c'est mon petit frère. On a plusieurs points de friction quant au recrutement, notamment, on en a trois principaux. Le travail en usine en est un. On est un petit peu plus réticent à y aller parce qu'on a peur de ne pas être reconnu en emploi. Chose qui était vraiment une force chez vous avec votre force de familial et votre communauté directement distincte qu'on va venir faire rayonner dans nos campagnes. Par la suite, on a aussi un point de friction par rapport au recrutement présentiel. On a un train de vie effréné, ça n'arrête pas, puis on aime ça vraiment pouvoir être recruté du confort de notre chez nous, puis vraiment regarder les plateformes dans notre intimité. Alors, c'est une chose qu'on va venir regarder aujourd'hui. Et finalement, on a un point de friction par rapport aux entreprises désengagées socialement. On n'a pas envie de s'investir avec eux, puisqu'on veut vraiment contribuer au futur et au développement durable. Au niveau de comment on va aller les recruter, pourquoi Emotion, on est bien placé pour le dire, c'est parce qu'on fait tous partie de la génération Z, donc on comprend ce que le consommateur veut lorsqu'il recherche un emploi. Comme ma collègue le dit, c'est les enfants du numérique. Donc, il faut se tourner vers un processus d'embauche qui est virtuel, que ce soit par l'attraction de la personne sur les médias sociaux ou encore par la signature de contrat. Lorsque vous envoyez des documents, que ça se fasse de façon virtuelle pour les attirer un petit peu plus. Puis aussi, ce qui est intéressant de la génération Z, c'est qu'on est très vert. On devient plus vert plus que les années avancent. Donc, c'est sûr qu'eux, une entreprise qui est socialement impliquée, ça va être super important. En fait, c'est 3 sur 10 personnes de la génération Z qui vont être prêts à même couper son salaire de 10 à 20 % pour être dans une entreprise qui est socialement impliquée. Donc, ça, c'est sûr que vous pouvez utiliser ça à votre avantage, étant donné qu'on le sait, vous êtes très impliqué envers votre communauté. Puis, vous devez vous dire, 3 sur 10 personnes, c'est pas énorme, mais si, justement, notre mentalité de vert augmente, bien, veux pas, le 3 sur 10 va continuer à augmenter plus les années avancent. Deuxième partie des cascadeurs de demain, on a la génération Y, qui est âgée de 26 à 40 ans. Bien que c'est une génération très, très étalée, elle a quand même 2 points de friction en commun, notamment les processus d'emploi complexes. Je prends par exemple mon grand frère, envoyer un PDF sur un email, sur un site internet pour par la suite recevoir un téléphone, il haït ça, il n'aime pas ça. Donc, on veut vraiment venir simplifier le tout et mettre ça de l'avant chez vous, que c'est une de vos grandes forces d'avoir le recrutement centralisé. Et même chose encore, c'est les entreprises désengagées socialement, elle aussi, elle veut contribuer à son avenir, donc c'est une de vos grandes forces également. Comment qu'on va les faire pour les recruter? En fait, eux, oui, ça va être par les médias sociaux, mais c'est sûr qu'on a des personnes peut-être qui sont un petit peu plus âgées, donc il faut diversifier aussi notre offre. Puis aussi, ça va être comment vous allez être original dans le recrutement. Que ce soit pour vos publications, vos vidéos, vous devez vous démarquer, peu importe ce que vous faites. Donc là-dessus, on va venir miser pour justement là, vous proposer des stratégies adéquates. Aussi, ils aiment l'environnement de travail qui est attractif. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'ils veulent sentir qu'ils sont chez eux lorsqu'ils travaillent. Parce qu'on le sait, les gens que vous allez vouloir engager dans votre entreprise, c'est plus des personnes qui vont travailler en présentiel. Donc, ça va être important de les faire sentir comme chez eux et comme un employé ou un cascadeur, je pourrais dire, l'a si bien mentionné dans une vidéo, c'est qu'ils sentent que c'est leur deuxième maison cascade. Donc, c'est ça qu'on va vouloir venir promouvoir aujourd'hui. Maintenant qu'on a bien enraciné qui vous étiez, où vous vous situiez et quel sera le futur pour vous, nous avons établi en fait plusieurs constats et orientations pour vraiment faire les fondements des pistes de solutions que nous allons vous offrir par la suite. On a tout d'abord, donc en B2C, remarqué 90% des personnes entre 15 et 34 ans utilisent régulièrement les médias sociaux. Donc, on va vraiment venir capitaliser sur ça pour vraiment aller atteindre le maximum de clients de ce côté-là. Ensuite, en B2B, on peut voir que 94% des acheteurs visitent en ligne. En fait, ils vont aller magasiner en ligne avant de procéder à leur achat. Donc, on va essayer d'être le plus présent possible en ligne et surtout faire ça avec des tactiques qui sont efficaces. Pour ce qui est par la suite de la marque employeur, donc le côté RH, on peut voir qu'avoir des employés qui sont hautement engagés augmente la performance d'une entreprise de 202%. Donc, on va vraiment venir capitaliser sur ça pour vous offrir une stratégie qui fait sortir votre engagement. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons bâti les fondements de l'analyse, nous sommes prêts pour vous présenter les solutions Emotion. Tout d'abord, du côté de B2B,
On sait que les consommateurs, ils font face à un grand choix de produits similaires. Ils achètent de compagnies, ils aiment acheter en fait de compagnies qui ont les mêmes valeurs que eux, des valeurs qui leur ressemblent. Et bien entendu, ils achètent de multiples plateformes. Donc, ils sont sur plusieurs plateformes à la fois. Ce que nous vous proposons avec ça, c'est un parcours client qui va leur faire vivre une expérience de façon numérique. Comment nous allons faire ça? En fait, quel message nous voulons vous propager? C'est en fait vos valeurs. Vous avez des très bonnes valeurs, autant d'aider que marque employeur. On pense à Stronger Together, on pense à Cœur au ventre. Donc, on va vraiment venir mettre ces valeurs de l'avant pour aller chercher les différents clients. On va faire ça en utilisant, comme on l'a mentionné, des tactiques qui sont innovantes et surtout efficaces qui vont passer par les différentes plateformes web les plus efficaces. Bon, collègue vient vous présenter le B2C. Maintenant, c'est à mon tour de vous présenter le B2B. Les entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir faire affaire, vos clients potentiels, ils sont présents dans des expositions. Ils sont, comme les vos consommateurs, de plus en plus éco-responsables. Ils sont toujours à la recherche de meilleurs partenaires, dont vous, Cascade. Ce qu'on vous propose du côté du B2B, c'est des tactiques claires et percutantes pour marquer leur imaginaire, pour aller les chercher, pour les convaincre que Cascade, c'est la solution. C'est du placement média efficace pour justement aller chercher, aller les communiquer de la bonne façon et leur parler. Et c'est vendre vos valeurs. On l'a discuté tout au long de la présentation. Cascade, c'est des valeurs familiales, c'est des valeurs humaines. On veut leur démontrer que vous êtes les meilleurs de ce côté-là. Et finalement, troisième et dernière piste de solution qu'on vous offre pour aller répondre aux cascadeurs de demain, c'est des solutions en rapport avec le marketing, la marque employeur. Plus précisément, on vous a parlé lors de vos cascadeurs de demain qu'ils aiment les processus simples, efficaces, interactifs et originaux. Ce qu'on va vous proposer un petit peu plus tard, ça va être d'une stratégie numérique expérientielle, d'aller explorer cette avenue-là avec vous, puisque c'est l'ère de demain, que les gens aiment ça dans le confort de chez eux et vraiment pouvoir assister au recrutement dans leur intimité. Par la suite, on va utiliser peut-être la réalité virtuelle, ça va vraiment être une piste à explorer avec vous. C'est une nouvelle avenue très, très peu connue, mais très, très efficace. Et finalement, une campagne d'employés ambassadeurs, qui de mieux que vos propres cascadeurs actuels pour convaincre les cascadeurs de demain de joindre votre équipe. Maintenant qu'on comprend le marché de cascade, et qu'on vous a fourni plusieurs solutions, on est convaincu qu'on est prêt à répondre à n'importe quel mandat. Parce qu'on ne veut pas juste travailler pour vous, on veut travailler avec vous, Emotion. C'est maintenant à vous d'embarquer dans notre famille Emotion. On se dit à demain. Nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. La période de questions de 5 minutes, vous écoutez? Quand vous avez présenté les tactiques là, B2B et B2C, est-ce que vous pourriez clarifier l'objectif? En fait, l'objectif de la campagne est vraiment, comme on l'a mentionné, de venir faire ressortir vos différentes valeurs et puis augmenter justement, donc autant en B2C qu'en B2C, vos ventes au final. On va faire de, en fait, la façon qu'on va le propager, c'est vraiment en utilisant les plateformes les plus utilisées. On a des super belles stratégies, en fait, à vous proposer pour la deuxième round de demain. Mais donc, c'est vraiment ça en utilisant les différentes plateformes numériques. Dans le contexte que vous avez proposé, j'aimerais ça savoir un peu là, comment vous voyez le fait que on cascade des serres, différents marchés, que ce soit au Québec ou au Canada, aux États-Unis. Comment vous voyez cette intégration-là? Est-ce que c'est toujours la même chose? On utilise un seul modèle puis on le développe pour tous ou il faut faire des particularités selon à qui on s'adresse? Évidemment, merci. Très bonne question. Ça va être possible de changer nos solutions selon le marché. On veut garder une ligne directrice, bâtir une solution qui est solide, qui va être remarquée, que ce soit au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. C'est des marchés qui sont similaires. Il y a certaines particularités. On peut penser au Québec, il faut que ce soit en français. C'est quelque chose sur lequel on va faire très attention pour répondre aux besoins des différents marchés. Mais oui, il va y avoir possibilité d'adapter la campagne qu'on va proposer dans la deuxième round. Puis est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'avoir à faire cette adaptation-là? On considère que oui, parce que le Québec, c'est, on peut, juste au Canada, on peut penser que le Québec est très différent de l'Alberta, des marchés très différents, avec des valeurs différentes, mais vos valeurs chez Cascade vont pouvoir les rejoindre. C'est juste qu'il va falloir faire quelques petits ajustements. On peut penser aux États-Unis aussi que c'est un marché, puis qu'en Amérique du Nord, il y a certaines similarités, mais aussi certaines différences. Donc, il va falloir faire attention à ce côté-là. On a beaucoup parlé de solutions numériques, de peut-être des employés d'usine, c'est un peu moins présent en ligne, selon ce qu'on voit. C'est quoi aussi la technique pour aller chercher ces gens-là qui ne sont pas en ligne malgré leur jeunesse? C'est certain qu'on conserve vos offensives actuelles, notamment le recrutement que vous avez fait pour votre dernière usine qui cherchait de l'emploi avec la foire et le recrutement
service à l'auto, si je peux me permettre le terme, service à l'auto, qu'on venait parler, poser des questions. C'est certain qu'on garde vos offensives tout de même qui sont très, très bonnes, mais on va ajouter cet aspect-là puisqu'on sait que c'est l'avenir et vos cascadeurs de demain, ça représente l'avenir. Donc, on va quand même s'adapter à eux au final aussi. J'ai eu plus une question crève-cœur. Si vous aviez un choix à faire par rapport, parce que je vois qu'il y a comme deux types de stratégies, là, vous avez... Mon Dieu, excusez-moi, j'ai eu un vous avez une stratégie qui est plus visée conso, puis vous avez une stratégie qui est plus visée pour le recrutement. Si vous aviez un choix à faire parmi ces deux stratégies-là, soit à cause du budget ou de contraintes de temps, peu importe, ça serait laquelle que... vous devriez choisir selon les problématiques que vous nous avez sorties? Selon nous, présentement, ce qui est beaucoup important, ça va être le recrutement. Ça va être aller chercher des cascadeurs, des cascadeuses de demain. Donc, c'est sûr que ce serait peut-être plus la stratégie, le marketing, les ressources humaines qu'on irait promouvoir. Merci. 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 Un énorme merci. Très belle soirée. Merci. À demain.
désirez avoir les instructions en anglais ou en français? En français. Disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et puis je vais faire un décompte avec mes voix pour les 10 dernières secondes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et veuillez noter que lors de la période des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question. Et veuillez noter que là, que dans aucun cas, vous ne pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pouvez débuter votre présentation. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mélanie, je suis directrice d'acquisition de talent pour Cascade. Bonjour. Bonjour, Amélie, chef de catégorie, groupe tissu, côté B2B. Bonjour. Bonsoir, moi c'est Julie, je suis chef marketing pour les comptes stratégiques du groupe tissu, côté B2B. Bonjour. Bonjour, moi c'est Annabelle, je suis chef de marque sur Cascade côté B2B. Bonjour. Bonjour, Julie Bouillane, coordonnatrice aux dons et commandites chez Cascade. Bonjour, je m'appelle Jessica Ménard, je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université de Jean-Paul. Bonjour. Allô, moi c'est Laurence Aubé-Comeau, je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Super. Bonjour. Par une journée de mai, je suis étendue sur le gazon. Le parfum du printemps embaume la brise qui caresse ma peau. Le vent, doux et frais, emporte le chant des oiseaux. Je me délecte d'une fraise sucrée en admirant la beauté du paysage devant moi. C'est dans ces journées-là où mes sens sont éveillés que je suis plus créative et inspirée. La perception des sens est la source de notre bien-être comme de notre mal-être. Alors c'est pourquoi on veut faire vivre une expérience sensorielle à notre client pour le convaincre que notre produit est le meilleur pour lui. D'où notre slogan, une expérience qui prend tout son sens. Nous sommes le Point M, une agence de marketing qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et accomplir vos projets, en prenant une particulière attention à l'expérience sensorielle que va vivre votre consommateur. Alors, au menu du jour, nos objectifs. Premièrement, on va se présenter, apprendre à mieux se connaître, parce que la communication, c'est un élément clé pour un projet réussi et un partenariat solide. Ensuite, on va faire l'analyse de votre entreprise, l'analyse externe, interne et de concurrence. Pour terminer avec la raison de pourquoi vous devriez choisir notre agence. Alors pour commencer, on va apprendre à connaître l'équipe. Je me présente Amélie, je suis Louis du Point M. Puis c'est moi qui vais être à l'écoute de vos besoins, des besoins de vos clients. Puis je ferai l'analyse des forces de marché. Bonjour, moi c'est Gabrielle, je suis le toucher du Point M et la touche Frenchie de l'équipe. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet et rendre concrètes toutes vos idées inexploitées. Alors bonjour à vous, moi c'est Dylan, je suis la vue du Point M, je vois ce que le client ne voit pas, je suis à la recherche des nouvelles opportunités et je suis aussi le graphiste de l'équipe. Nous avons notre collègue David qui ne peut pas être là présentement malheureusement, mais c'est lui qui s'occupait de la planification financière, mais ne vous inquiétez pas, on connaît les chiffres quand même. Donc le Point M, c'est notre mission dans le fond, c'est d'offrir une expérience qui va créer des sensations inégalables chez le consommateur. Nous nous engageons à créer une agence 360 degrés qui nous permet de vous accompagner dans votre mandat de A à Z. Nous combinons aussi la technologie avec le marketing pour toucher le futur avec la réalité virtuelle et les métaverses qui s'en viennent dans le futur. Bref, nous voulons aider les entreprises à aider à créer ce qu'ils n'osent pas faire seuls. La vision de notre entreprise, c'est de transformer l'expérience sensorielle en réalité virtuelle. En ce sens, nous souhaitons concilier les émotions provoquées par les sens et la réalité virtuelle. Maintenant, pour ce qui est de ce en quoi on croit. Premièrement, on est raw parce qu'on croit que pour premièrement satisfaire nos clients, il faut aussi satisfaire nos employés. Alors, leur motivation, leur engagement et leur intérêt dans la compagnie est nécessaire pour sa propre réussite, pour la réussite de la compagnie. Fait que c'est pour ça qu'on y porte une attention particulière et qu'on croit qu'il est nécessaire à prendre en compte.
Ensuite, on est intègre et on est prêt à prendre des projets avec vous, à faire des projets avec vous. On voudrait faire un projet qui est durable, sur le long terme. Fait qu'on va s'assurer qu'on entretient une belle relation, avec une bonne communication et une relation éthique et honnête. Puis ensuite, on va terminer avec une valeur d'adaptabilité et de réactivité parce qu'on engage des gens à travers le monde parce qu'on veut une diversité de perception et de sensoriel. Puis ça va nous amener à pouvoir mieux réagir aux différents changements qui pourraient survenir durant la campagne. Donc, sommairement, le poème, c'est quoi? Le poème, c'est une expérience qui prend tout son sens. Nous sommes une agence créative, une agence à 360 degrés. Nous voulons créer une expérience sensorielle grâce à la réalité virtuelle. Bref, nous sommes à l'écoute de tous vos besoins. Passons maintenant à l'analyse stratégique de votre entreprise Cascade. Nous avons relevé quelques faits intéressants pour l'analyse de votre marché. Premièrement, depuis la COVID-19, c'est l'équivalent de 10 ans de transformation dans le marché du carton ondulé, ce qui est quand même une statistique assez importante dans votre secteur. Deuxièmement, le nerf de la guerre, dans le fond, dans votre marché, c'est vraiment l'innovation. Comment innover pour réussir à se démarquer davantage de la concurrence? Ensuite, à partir de 2030, aucun plastique à usage unique ne sera permis. Ça, c'est aussi un fait qui est très intéressant à prendre en compte lors de vos campagnes marketing ou de votre stratégie commerciale. Depuis la COVID-19, comme je l'ai dit récemment, le marché du papier est en déclin. Ça a accéléré la décroissance de ce marché-là due à la hausse du commerce électronique. Vous vendez plus d'emballages, de cartons pour tous les sites web, tout ce qui est numérique, tous les sites transactionnels, les commandes en ligne, et moins de papier dû au télétravail, toutes les nouveautés de la COVID-19. Pour ce qui est de vos parts de marché, dans le fond, Cascade a 4% des parts de marché. Les plus grands joueurs du marché sont vraiment WestRock et International Paper, avec 32% pour International Paper et 22% pour WestRock. Mais malgré cette forte part de marché de la part de ces deux concurrents, Cascade sait se positionner de façon légendaire, je peux dire, avec la diversité des produits et votre engagement durable. On a décidé de faire deux cartes perceptuelles pour votre analyse concurrentielle, dont une pour la généralité de la compagnie Cascade, la globalité, et une autre pour vos papiers hygiéniques. Dans le fond, premièrement, pour la généralité de votre entreprise, on a fait deux axes, dont la diversité des produits et des services, en fonction de l'engagement durable. Vous avez extrêmement une forte diversité de produits et de services, et votre engagement responsable est très puissant et très pertinent avec vos plans d'action, vos fibres recyclées dans votre production, et ainsi de suite. C'est pourquoi on vous a placé en haut à droite, très près de vos plus grands compétiteurs. On trouvait qu'il y avait un moins bon un plan d'action pour l'engagement responsable, donc c'est pourquoi vous êtes en haut un petit peu. Par la suite, pour ce qui est du niveau des papiers hygiéniques, la vente aux consommateurs dans les détaillants, vous avez trois principaux concurrents, dont Procter & Gamble, qui fabrique Charmin et Bounty, qui ont un prix assez élevé en magasin avec une qualité supérieure un petit peu. Vous avez ensuite Kimberly-Clark, qui produit Cottonelle et Scott, qui ont un prix assez normal dans la moyenne, avec une qualité un peu moindre. Vous avez aussi Kroger, qui fabrique Cashmere, Scotties et Sponge Towel, qui ont un prix normal dans la moyenne, avec une qualité normale aussi. Et vous avez Cascade, votre entreprise, avec Rough and Tough. Vous avez un prix qui est très compétitif, avec une qualité supérieure. Comme vous le savez, votre entreprise détient de nombreuses forces et opportunités à exploiter. Tout d'abord, vous détenez une vision durable. Comme vous le savez, vous avez reçu le premier prix dans votre catégorie d'entreprise durable, ce qui prouve que votre entreprise est reconnue pour ce qu'elle fait. Aussi, vous portez un projet éthique et remarquable de par la confection de produits recyclés, hypoallergènes et biodégradables. Par ailleurs, vous détenez une forte capacité d'adaptation. En effet, malheureusement, dû au réchauffement climatique, la société a besoin de produits consciencieux de l'environnement et les besoins des consommateurs s'adaptent aux enjeux sociétaux. Aussi, entre 2006 et 2015, les personnes qui ont contracté une allergie ont augmenté de plus de 64%, ce qui est vraiment considérable. Proposer des produits hypoallergéniques permet à tout type de consommateur de pouvoir utiliser ce produit-là. De plus, vous évoluez dans un marché qui est en pleine expansion.
En effet, le marché du bio évolue de près de 8% par an au Canada, ce qui est considérable. Concernant la diversification des produits, vous détenez une large gamme de produits. C'est très intéressant car dans vos produits, vous détenez le papier hygiénique, qui est un produit de première nécessité. Qui dit produit de première nécessité dit que les consommateurs l'utilisent quotidiennement et donc l'achètent de façon très récurrente. Enfin, je terminerai en disant que vous êtes une entreprise mondiale, certes concentrée principalement en Amérique, mais comme vous le savez, le marché américain, regorge de clientèles très variées et intéressantes. Comme tout type d'entreprise, vous détenez cependant certains points à améliorer. Je commencerai en disant que vous avez une concurrence accrue. En effet, aujourd'hui, un consommateur qui veut acheter un papier hygiénique, un produit du quotidien, lambda, se retrouve face à des dizaines et des dizaines de marques. Il est confronté à un hyper-choix. Il ne sait pas à qui faire confiance, il peut se sentir parfois perdu. Aussi, je suis obligée d'en parler, mais vos prix sont, par exemple pour le papier hygiénique, un petit peu supérieurs à vos concurrents. Et certaines personnes ne peuvent s'octroyer le luxe, je dirais, de choisir des produits où l'achat est aussi fréquent. Donc même si, éthiquement parlant, vos produits sont supérieurs à vos concurrents, certaines personnes ne peuvent se l'offrir. Maintenant, je vais parler plutôt des produits d'emballage de nourriture, où certains produits peuvent être substitués. En effet, des personnes qui sont éco-responsables vont maintenant acheter des produits en vrac. Utiliser un Tupperware permet à ce type d'utilisateur d'utiliser un composant qui est réutilisable à l'infini. Donc certes, vos produits sont recyclés, mais à usage unique, donc l'impact écologique est un peu plus fort. Par ailleurs, votre marché est confronté à une pénurie de main-d'œuvre et malheureusement, sans main-d'œuvre, vous êtes plutôt limité. Aussi, bon, comme tout le monde le sait ici, nous sortons de la crise sanitaire du Covid-19, donc certes, vous avez été un peu moins impacté que vos concurrents, car vous avez été impacté d'environ 34% et vos concurrents d'environ 38%. Mais une meilleure gestion du changement et des crises permettrait à votre entreprise de réduire les risques inhérents et donc, par conséquent, d'assurer la pérennité de votre entreprise. Enfin, je terminerai en disant que votre entreprise est confrontée à des risques politiques, à des risques sociaux, à des réglementations environnementales de plus en plus importantes. Et dû au fait que vous êtes une entreprise mondiale, vous êtes aussi confronté aux conversions de taux de change. Donc, nous savons tous qu'il est très important de connaître ses avantages concurrentiels dans son entreprise. Donc, pour Cascade, pour votre entreprise, vous êtes un leader de marché pour les produits en développement durable. Vous êtes aussi un fournisseur intégré de solutions de recyclage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous êtes capable d'utiliser vos fibres recyclées pour retransformer vos produits en nouveaux produits et ainsi de suite. Vos emplacements géographiques aussi sont stratégiques. Ça peut améliorer aussi vos circuits de distribution concernant votre logistique de camions, de livraison, tout ce qui est vraiment circuit de distribution et de placement dans les magasins, que ce soit les détaillants ou les partenaires. Et finalement, vous avez une bonne présence dans le marché du détail avec les consommateurs. On parle ici de papier hygiénique, des distributeurs de papier, papier brun, tout ce qui est vendu en détail. Maintenant, si on se penche sur l'analyse concurrentielle, l'analyse de Porter. Alors, premièrement, les fournisseurs, on a considéré qu'ils ont un pouvoir de négociation très faible. Pourquoi? Parce que les produits que vous vous procurez, c'est des produits recyclés qui sont peu dispendieux et peu rares, sont même considérés comme des rebuts dans l'industrie. Puis vous, vous en avez fait votre avantage, vous avez pris ces fibres-là, puis vous en avez fait votre marque de commerce. En plus de ça, vous êtes en quelque sorte votre propre fournisseur parce qu'une grande partie des produits que vous utilisez proviennent de vos propres centres de récupération, ce qui est un autre grand avantage pour vous. Puis, cette participation-là à l'économie circulaire, ça fait en sorte que ça vous avantage avec vos autres concurrents, puisque vous êtes en fait aussi plus autosuffisant. Par la suite, on a le pouvoir de négociation des nouveaux entrants.
Alors, c'est sûr que l'investissement initial pour n'importe quel nouvel acteur dans le milieu de pâte et papier est très grand parce qu'il va devoir se procurer une équipe, former une équipe, se procurer une usine, un lieu de travail, puis ainsi que toutes les machines nécessaires aux opérations. Puis tout ça, ça représente une grande barrière à l'entrée pour n'importe quel nouvel entrant. Fait que bien sûr, ici, Cascade a un avantage puisque depuis sa fondation en 64, il a réussi à bâtir puis à accumuler tous ces équipements-là puis ces ressources-là nécessaires. Par contre, il est à mentionner que n'importe quel de vos concurrents qui est déjà dans l'industrie de pâte et papier pourrait très bien se convertir aux produits éco-responsables, puisque déjà toutes les ressources nécessaires, puis il manquerait juste à faire récupérer des fibres recyclées, changer de fournisseur en fait. Par la suite, on a le pouvoir de négociation des produits de substitut. Fait qu'en fait, bien sûr, vous produisez des produits de base, vous faites des emballages commerciaux. Fait que c'est des produits qui sont encore très utilisés, très communs, on les voit encore partout. On n'est pas encore rendu aux toilettes coréennes avec le lavage à eau. Ouais, on n'est pas encore rendu là encore, on espère. Puis par contre, il est à mentionner, comme ma collègue l'a mentionné aussi, qu'avec la nouvelle mode, la tendance avec zéro déchet, les gens sont de plus en plus intéressés à acheter en vrac et à ne pas utiliser des produits à usage unique. On voit qu'il y a une étude qui a été faite en France qui démontre qu'en 2018 et 2019, il y a eu une augmentation de 41% de ce marché-là. Ça, c'est en seulement une année. Fait qu'on voit que l'intérêt est vraiment croissant chez les consommateurs éco-responsables. Pour terminer, on a le pouvoir de négociation des clients qui est moyennement faible, puisque bien sûr le marché de la vente à détail, qui est une grande partie de vos clients, est très stable et est moins influencé par les fluctuations économiques. D'ailleurs, vous avez des clients qui sont variés puisqu'ils ont des besoins commerciaux, résidentiels et industriels, excusez-moi. Fait que ça fait cette diversité-là vous permettre que chaque client a une moins grande force et importance, influence sur votre entreprise. Comme vous le savez, votre clientèle cible regroupe en 5 secteurs d'activité. La restauration, les logements, la vente au détail, l'industrie et le numérique. Donc vos clients, ça passe de la restauration aux hôtels, à la grande surface, au commerce en ligne. Pour être plus concret, qui sont votre clientèle cible, nous allons vous présenter Camille. Donc Camille, c'est une de vos acheteuses en grande surface. Elle a 27 ans, elle habite à Montréal. Camille est sociable, généreuse, pleine de vie. La journée type de Camille commence aux alentours de 5h30 du matin par une heure de yoga. Cela lui permet de commencer sa journée en toute sérénité. Dans sa salle de bain, comme dans sa cuisine, Camille est une fervente consommatrice de produits naturels et bio. Elle aime savoir qu'elle réduit au maximum son impact écologique. Camille travaille dans la communication, elle est chef de projet. Donc, par conséquent, elle aime l'échange et la communication. La pause déjeuner de rêve de Camille, c'est aux alentours de 12h30, déjeuner avec ses collègues, parler du quotidien et des bons plans. À 18h, à sa sortie du travail, Camille aime aller boire un verre avec ses amis et, encore une fois, discuter de ce que l'avenir leur réserve. Camille, comme la plupart des personnes de sa génération, est une personne connectée sur les réseaux sociaux. Elle utilise quotidiennement Instagram, Facebook, elle aime poster, partager et elle aime suivre les tendances du moment. Maintenant, je vais vous présenter Vincent. Vincent, il a 38 ans, il habite à New York. Ses principales qualités, c'est qu'il est ambitieux, rigoureux, consciencieux. La journée type de Vincent, quant à lui, ça commence à 5h du matin par une heure de sport intensif pour évacuer toute la pression qu'il va engendrer au cours de sa journée. À 8h, Vincent, il est déjà au travail. Il est PDG d'une grande compagnie de grande distribution. Au cours de sa journée, il doit gérer sa forte équipe, il doit gérer les approvisionnements et la logistique. Il a pu constater que déjà depuis quelques années, les produits éthiques et durables rentrent de plus en plus dans la consommation quotidienne de ses clients. Il a lui-même adopté ce style de vie pour lui et sa famille, donc avec sa femme et ses deux enfants. Le week-end, il adore faire des activités en plein air à Central Park. Vincent a pour objectif, à plus ou moins long terme, de créer une entente de partenariat avec Cascade sur les cartons recyclés. Donc, suite à cette présentation, pourquoi nous choisir Le.M en tant qu'agence de marketing? Premièrement, vous pouvez bénéficier de la réalité virtuelle. Quand je parle de la réalité virtuelle, c'est vraiment avec vos partenaires, faire des visites d'usines,
que ce soit avec des clients. Oui, dans le fond, c'est un peu le futur de la publicité, sans avoir à faire des déplacements majeurs intercontinentaux. Juste mettre un casque puis faire des visites d'usine avec les partenaires. Nous faisons aussi des projets intégrés de A à Z, comme que je l'ai mentionné plus haut. Nous sommes une agence à 360 degrés, donc tous vos mandats sont accompagnés de A à Z avec notre équipe. Le point N, on prône l'innovation, la réactivité et la flexibilité. Et le point M, nous voulons créer une expérience d'exception avec vous. Alors, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pu voir notre potentiel, que vous avez pu sentir notre audace, en espérant pouvoir toucher l'avenir avec vous et goûter au succès de cette campagne marketing. Merci. Donc, la période des questions de 5 minutes peut débuter. J'aurais deux questions. Premièrement, d'où vient le nom .m? Peut-être que j'aurais pu avoir un lien d'explication. Puis, la deuxième question, ce serait, c'est quoi? Pouvez-vous définir la valeur role? Parce que je ne sais pas si ça peut faire. Premièrement, la valeur role, c'est croire qu'il faut vraiment que vos employés soient dans un milieu agréable, qu'ils aient envie de soient motivés d'aller au travail, qu'ils se sentent bien. Puis cet engagement-là, des employés, quand ils vont au travail, ça augmente considérablement la performance au travail. Fait que pour nous, c'est important d'établir ce milieu-là pour de vraiment pour apporter une importance particulière à cet environnement-là pour nos employés. Puis dans le fond, pour ce qui est du logo, le point M, le point M représente le marketing. Puis le point M, on a fait une petite référence humoristique avec le point G de la femme. Puis le point du I, dans le fond, c'est un cerveau qui représente tous les sens de l'être humain, la psychologie du consommateur. Dans le fond. Premièrement, je voulais juste vous dire félicitations parce qu'il y avait beaucoup de bruit, vous avez gardé le focus. Mieux que nous. Bravo pour ça. Puis ma question, c'est côté comme plus cascadeur, tu sais, un peu côté marque employeur, ce côté-là, on l'a moins touché, là, mais comment vous percevez les défis de ce côté-là en matière de recrutement? Mettons, en matière d'engager la main-d'œuvre, pardon? Oui, c'est comme. En fait, la main-d'œuvre, donc dans nos valeurs, il y a tout ce qui est adaptabilité et intégrité. C'est vraiment une main-d'œuvre la plus diverse possible. Donc, dans l'équipe, je suis française, comme ça peut s'entendre. On est conscient que, surtout les sens, c'est propre à chaque personne. Et en fonction de notre environnement socioculturel, nos sens sont développés de façon un petit peu différente. Donc, pour nous, c'est vraiment engager des personnes du monde entier pour que chaque personne apporte sa touche de sensibilité et son point de vue sur ça. Donc vraiment, niveau recrutement, on est beaucoup axé sur la diversité. Après aussi, il y a la recherche de jeunes talents. On sait que surtout la valeur WOW, c'est très de nos jours. Il y a quelques années, ça n'existait pas trop. On a la recherche donc de jeunes talents car on sait que une équipe qui est assez jeune, fraîche, apporte son lot de motivation. J'ai une petite question sur la section où tu parlais du marché, puis avec le diagramme des parts de marché. C'est de quel. C'est Canada, États-Unis, les deux ensemble, c'est de quel. Oui, c'est les deux ensemble. C'est un peu. Dans le fond, c'est. C'est ça, dans le fond? Mm-hmm. Ouais, dans le fond, c'est un diagramme États-Unis nord-américain. OK, parfait. Puis c'est de cascade, c'est du papier, c'est de l'emballage, tout mêlé ensemble? Oui, c'est la globalité. Dans le fond, c'est en général. Les deux cartes perceptuelles que vous avez présentées, comment vous les avez montées? En fond, je vais parler pour les cartes perceptuelles. J'ai analysé chaque site web
de chaque concurrent? Mettons comme de A à Z, des produits offerts, des prix, mais pas des prix parce qu'on peut voir vraiment avec les partenaires, mais vraiment tout ce qui est la diversité des produits, dans quel secteur ils se situent comme papier hygiénique, transport, des machines distributrices et ainsi de suite. Puis ensuite de ça, selon la théorie, j'ai fait des, comme en fonction de l'engagement durable, puis de la diversité, j'ai mis, mettons, les eux qui ont plus de diversité avec l'engagement selon le graphique. Pour ce qui est du graphique comme ça, il était dans un rapport de 2021 pour les futurs objectifs de Cascade. Okay. Produit par Cascade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Good evening. So my name is Melanie, and I'm Director Talent Acquisition for Cascades. Hi. Hi, guys. I'm Annie, Category Manager, B2B Group Issue. Hi, my name is Julie. I'm a Marketing Manager for Strategic Accounts in the Tissue Group for B2B as well. Hi, my name is Annabelle. I'm a Brand Manager for Cascades Copenhague. Hello, I'm Julie Bouliam. I am the sponsorship coordinator at Cascades. Hi, my name is Jessica Maynard. I'm the study case writer with Laurence, and I'm also a student at the Master of Marketing at University of Sherbrooke. Hi, my name is Laurence Aubry. Like Jessica said, I'm a case writer for this case, and I'm a master's student in marketing at the University of Sherbrooke. Good evening, we're Elevate, and we're here to make your marketing mountain move, no matter its height. I'm Yasmin, and I'm known as the visionary here at Elevate. I see the oasis hidden behind the mountain, and I bring it to life in the journey of solving your marketing needs. I'm Guang Tai, I'm the scout of the team. There are so many challenges and also so many opportunities along the marketing journey, and my job is to discover the opportunities and lead you towards the right path and lead you towards success. Hello, my name is Brianna, and I'm the navigator. I take the role of team lead, I hold the compass, and navigate us on the right path. Good evening, my name is Julie, lots of Julies here today. I am the athlete, and whenever there's challenges or obstacles, or we face adversity, I know how to charge through them and help us get to the next step. Okay, next I'm going to introduce a little bit about us, about Elevate. So we are an award-winning marketing agency. We enjoy creating innovative and creative solutions to help our clients with their marketing needs. We live marketing, we embrace marketing. Over the past 5 years, we have helped over 80 clients with their marketing needs. We've created innovative and customized solutions, and we're very proud to say that we achieved a customer satisfaction rate of over 97%. Now, why should you choose to work with Elevate? Well, we are a people-centric company, much like yourselves. And we're here to support you through every step of your journey. Whether you're starting at the bottom of the mountain or wherever you may be starting on the mountain, we're here to help you along the entire journey until you reach your greatest heights. Let's move mountains together. At Elevate, every single decision we make is backed by proven data. Not only that, but we are creative and we come up with out-of-the-box ideas. Here at Elevate Marketing, we have one clear mission: to become Canada's leading marketing agency. We want to utilize our expertise to develop top-level marketing strategies that complement your business. I also want to introduce our four core values, starting with synergy. We want to unify our outcomes by making our work complement what you at Cascades do. Next, curiosity. We're going to find you the chances that always existed, but you never noticed. We're going to evaluate all of them and find you the best suited solution to help you towards success. Our third core value is persistence. Whenever there's challenges, we'll bounce back. Whenever we're faced with adversity, we'll bounce back. And we'll continue bouncing back until we make the best solution and get the outcome that we would like. Lastly, we have excellence. We strive to deliver high-quality materials to exceed your every expectation. But don't take it from us, take it from our clients. Paul, can you walk me through your experience with working with Elevate? Yeah, definitely. We've been working with Elevate for over the past 5 years. Before we worked with them, we made many mistakes and also we struggled with marketing side. After we met Elevate, they helped us identify many problems and also many opportunities that we never realized, move up to the right track, and we're able to market more effectively and productively right now. Thanks, Paul. Lisa, what was your favorite part about working with Elevate? Let me tell you, I loved working with Elevate. They consistently brought new and fresh ideas to the table and delivered promotional strategies with a high level of professionalism. I cannot recommend Elevate enough. Thanks, Lisa. It was a pleasure working with you. Finally, Nora, walk me through working with Elevate at your company, Majuri. I loved working with Elevate. It was an absolute delight. My favorite part was that they took my vision and actually brought it to life.
In fact, they increased my website traffic by 50% over 12 months, and that's all thanks to myself as well as Elevate. I could not be happier. That's what we like to hear. Okay, next. We all know Cascades is a very sustainable company, and now we're going to tell you why sustainability is important and how sustainability can help Cascades to continue to grow in the future. First of all, social recognition. The society likes to recognize, to respect, and also to support businesses that do their social responsibilities. So it is very important for us to promote what Cascades is doing and get more support from the society, and also let more people to join us to continue to make contributions to a sustainable future. Also, environmental protection. Right now, acid rain, smog, global warming, there are many challenges we need to face, and it is important for Cascades to tackle this challenge, not only to protect Mother Earth, but also to build a more sustainable future for Cascades and its stakeholders. Employee satisfaction. Employees are an integral part of every business success. Employees' output will affect businesses' output. So if a company is doing good things, then this will impact their employees, their employee will feel proud, and also they'll be more motivated to continue to make contributions to the business. Last but not least, client attraction. So being sustainable, it means much more than reuse the materials that we produce on our products. It is also important to help our clients. Clients like to form partnerships with businesses that are sustainable, such as Cascades. Working with sustainable business can form sustainable partnerships, and these partnerships will last very long and benefit both parties in the long run. Okay, next, we're going to show you some of the numbers and also information we, based on our research, caught our eye, and potentially can help Cascades to market itself in the future. First of all, Cascades doesn't want its own success, but also wants to succeed together with its partners. Cascades offers 360-degree service to its partners to ensure its win-win situation, and also ensure it provides top-level residual material management. Next, Cascades invite $4.3 million to donations and sponsorships every single year. Last but not least, 30% of Cascades donations are in investments are in environment and education. And these demonstrates Cascades' the commitment to a sustainable future. Okay, now we'll talk about Cascades' fortunes. As we all know, Cascades has four main functions: hygiene, packaging, transportation, and recycling. From the single look, for many people, these functions may look totally different, unconnected, but we have discovered there are many interconnected dots between them, and we're going to connect these dots and help you to find innovative solutions and customized solutions to help you build a more sustainable and greater future. So how do we help Cascades leverage those values and those products in our promotional materials? First, we understand that it is important to educate our clients about Cascades services. What makes you so unique? Second, we understand that sustainability is the key to leveraging above competition. And third, we want to create value for clients and partners. And we know that Cascades prides itself on being a people-centric organization, who are the Cascaders of tomorrow. So we want to highlight what we believe are four key attributes to working at Cascades. First, ambition. Cascades strives to help not only employees, but clients as well to live up to their ambitions. Cascades helps both employees and clients climb their own mountains. Next is technology. In right now, ever-changing business world, Cascades always integrates the newest technology into their daily operations to maximize its output. When I think of Cascades, I think of agility, the ability to tailor solutions and products to meet the various needs of specific clients, as they're all unique. Coincidentally, here at Elevate, we also do the same thing. Lastly, we have responsibility. You care a lot about sustainability and the environment, and it drives you in the work that you do every single day. Moving into the market overview, we've conducted a thorough analysis and compiled a list of the competitors that are within the industry. As you may notice, the top four players make up 75% of the market share, whereas Cascades, as you can see in the green, comes in at 4%. However, it's not the best strategy to tackle the big competitors that are 30% market share, 33% market share. It's better to tackle the competitors that have similar market share to yours. These competitors would be your direct competitors, which make up Pratt Industries, New Indy,
and Green Bay. After all, your first hike is never Mount Everest. And here at Elevate, we confidently believe that New Indy Container Board, Pratt Industries, and Green Bay Packaging are all mountains that we can confidently help you conquer. New Indy Container Board specializes in simply that, container board, and all of their packaging services are done in-house. Pratt Industries specializes in custom boxes and packaging, but they also offer recycling and recovery programs. Finally, Green Bay Packaging, specializing in corrugated packaging and promotional materials, and they also have container board mills and recycling plants. Here's our positioning map. We have two key attributes, people-oriented customer relations and innovative sustainability. Outlined in the previous slide and in our positioning map, you can see that our three key competitors don't perform at nearly as well as Cascades does in these two attributes. Cascades is leaps and bounds ahead of the competition in terms of people-oriented customer relations and innovative sustainability. Now let's dive into the service specializations. As you know, Cascades specializes in packaging, hygiene, and recovery. But let's compare how these direct competitors relate to this as well. New Indy and Green Bay only offer packaging. They don't specialize in hygiene or recovery. Whereas Pratt Industries has packaging as well as recovery, but not hygiene. What does this mean for you? Well, there's great promotional opportunities to leverage your services to outshine your competitors as you already do what you do best. Looking at this, we can create a strategic competitive advantage based on our analysis. As I mentioned, hygiene and recovery are amazing leverage points. However, we also conducted a geographical market analysis and concluded that Cascades, as you know, operates in North America, which includes Canada. However, these direct competitors that we deemed were relevant, so Pratt Industries, New Indy, and Green Bay, they don't operate in Canada. They operate in the United States and a couple of them in Mexico. As we know, promotional opportunities can vary between countries. So Canadians may be more receptive to certain things that Americans would not. This creates ample opportunity to leverage your market in the Canadian industry and prevent room for market entry from those competitors while also increasing market share in the other countries as well. And for our last two, we refer back to our positioning map. A people orientation is essential to Cascades' business model. We understand that Cascades prides itself in its roots as a family business. We know that you treat your employees and your clients as valuable assets rather than transactional resources. As Alain Lemaire, the co-founder and executive director of the chairman of the board of directors says, the men and women who show interest in Cascades are not only a resource, but rather their assets, allies, and benefits. He said they are their greatest assets. This quote speaks for itself about how much Cascades truly values its people. And finally, innovative sustainability. Reduce, reuse, waste, recycle. We've all heard it, but as science tells us, it's an outdated sustainability practice. But Cascades works to be two steps ahead of what the competition is doing. For example, your partnership with the David Suzuki Foundation truly demonstrates just how valuable it is for not only your company, but society as a whole to maintain innovative sustainability solutions for a greener future. The industries in which you operate in are unique and diverse, just like you. You operate in the industrial industry, the retail industry, the municipal industry, and even the printing industry. We created prototypes for every single industry in which you operate in, starting with the grocers. Of course, you offer packaging services to your clients. However, grocery stores will need custom packaging services to meet the requirements of fresh produce packaging. However, grocery stores will also need to recycle their materials that are not so sustainable, which is obviously something that they can do with Cascades Recovery Plus. However, they may not want to change their current recycling provider. That's where we come in. We're going to highlight what makes you so different and unique from the competitors. You serve as a one-stop shop, and you eliminate any inefficiencies while delivering cost savings to your clients. Let's elevate the retail industry. Next, in the municipal industry, we have hospitals. Of course, hospitals have a big need for tissue and hygiene products. However, hospitals will also need protective packaging to make sure that their equipment is getting to them safely and on time. Do hospitals know that Cascades can actually provide the service?
Do they know that Cascades can even safely discard of their needles and any vaccine type of thing that needs to be safely discarded in a proper manner? Cascades can do that, and our job is to make sure that clients and companies know that of everything Cascades can offer. Let's elevate the municipal industry. Next, in the industrial industry, we have universities. Of course, universities have a big need of tissue products and notably their washrooms. However, universities also go through a lot of paper, and that paper will need to be recycled with, of course, Cascades Recovery Plus. Universities need to know that they can pick and choose the services that Cascades offers to create a tailored and custom solution to meet their every need, and our job is to create that awareness. Let's elevate the industrial industry. Lastly, in the printing industry, we have governments. Of course, as we know, governments print a lot of paper, and that paper needs to be discarded and shredded in a good manner to ensure that the private and confidential information that is found within those documents is properly discarded. However, governments may feel a little bit more comfortable using their own shredding services. That's where we come in with our marketing services. We're gonna highlight that everything you can use with Cascades can be applied with private and confidential documents, and we're gonna create that, we're gonna transform that awareness into action. We know you do what you do best, which is provide specific tailored solutions and the excellent service and products to your various clients. Let us do what we do best and help elevate your marketing. Let's climb your marketing mountain together. Here at Elevate Marketing, we're confident that we have a well-rounded understanding of Cascades with our thorough company analysis. We understand just how important a people-oriented customer service model and how you treat your employees as assets is essential to Cascades' business model. We understand innovative sustainability is a key driving factor for every single operations at Cascades, and we're ready to highlight that in our promotional materials. Thank you so much for having us. Let's move mountains together. Thank you very much. If you have any questions, we'd be very happy to answer them at this time. La dernière question pour maintenant débuter cette période de 5 minutes. I'll go first. Why did you choose to identify competitors only in the packaging industry? Because in different Cascades group, you say we do hygiene and packaging. We have competitors in those groups. So why focus on competition that does not do hygiene? We chose this because we thought it was a great opportunity to leverage. And we conducted research. Again, we looked at companies that have similar market share. So we analyzed those companies and found what they served in comparison to what you serve. And that's what our analysis found, is that was what they were providing. So because of the market share, that is why we went with that approach. Are there any other questions? Yeah, you mentioned how important the employees are. I want to hear about how you think we can attract new employees, keep those we have. What's your vision about that? Yeah, for sure. So, as we know, it's very important for Cascades to have employees that embody all of the values of Cascades. Those employees need to have similar ambition, similar goals, and also have a similar mindset in terms of innovative sustainability. So we would really focus on having that innovative sustainability as a key driver, not only for clients, but also for employees, as there are so many people who have great knowledge and understanding of sustainability, and those that have a true passion for it, and they want to help out in any way possible, in whether that's, you know, through philanthropy, but also as employees and in their professional work. Mm-hmm. If you can tell me in a sentence or two, what's the main problem that your strategy is going to answer? I think I can take this one. Maybe sure. You can add on if you prefer. Sure. I think our main thing that we are trying to solve and tackle is really the awareness part of Cascades. Cascades is not just a tissue provider, it's not just hygiene solutions, it's not just packaging, it's really, funny enough, the whole package, and you can pick and choose and tailor
everything that Cascades has into your own company's needs. So I think that first step will be to build that awareness, which eventually will turn into action with our marketing services, of course. You spoke about that you were an agency, a data-driven agency. We heard some testimonials, but can you just clarify what are your expertise in terms of marketing? Yes, absolutely. So we've created promotional videos, which we would show you through various storyboards, of course, to pitch them. So we've done print ads, we've done video production, we've conducted also market research in order to create those final deliverables. Do you have anything else to add? I don't think so. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Have a good evening. Thank you. Yeah, thank you.